moi aussi. Ça monte pour moi ou bien. Ok, maintenant je vais voir s'il y a possibilité de caméra. Malheureusement. Pour le moment, non. Ben, je confirme que le live a commencé. Je viens d'avoir la. Ouais, le live a commencé, mais on essaie de faire parvenir la caméra de Saga. Ok. On va devoir continuer à tester et tester et tester. Ouais. D'accord. Ok, bon bref. Ok. Moi j'ai un passager avec un chien, ça c'est quoi son nom? Malheureusement je n'ai pas encore mon. Mon ami Ali. 5 viewers. Je peux pas voir le chat là, c'est grave. PS me tue là. Oh, moi je vois ça hein. Mais ouais, je vois pas le chat sur OBS. Ah ok. Sinon, je vais devoir me retourner pour voir. Ça me dit qu'il y a des paramètres invalides. C'est quoi la chaîne pour voir le. Ibradé, je vais poster ça. Attends. Du coup, les gars, vous avez les différents points. Là, on passe par toi. OG, c'est ça? Et après, Banga. Oui, c'est ça. Ok, donc ok, des paramètres techniques, calcul. C'est quoi notre poids de décollage? C'est quoi? Bon, je vois 79 000. Oh non, c'est le maximum. On a estimated c'est 71 019. On est assez lourd quand même.
Ok, d'après les trucs bien que nous sommes, ça nous donne moins de kérosène, ça nous donne 8,5. Ok. Voilà. Ok. Voilà, donc une seconde. J'ai l'écran. Voilà. Donc, you will be the pilot flying, right? Yep. Qu'est-ce que nous allons faire? Dès qu'on est en ligne, on retourne sur sur un lien. Okay, sur l'autre serveur ou bien? Ouais, on peut faire Smart Copilot service, you know, the server Smart Copilot. Ok. On avait prévu ça avant, on allait faire notre propre appel WhatsApp sur autre chose, quoi. C'est quoi? So on est prêt? Prêt? Ouais, ouais. Ok, donc dis, on retourne sur le serveur Smart Copilot Stream. Ok. Ok. Ok, les gars, donc on revient. Ok. Vous voulez nous entendre? Il faut aller sur le stream, je pense. Allô, oui. Ouais. Allô. Ah, vous êtes sur le Smart Copilot stream. Mais. Ouais. Nous on se met quoi sur Jollof? Ouais, mettez-nous sur Jollof pour le moment, ouais. C'est mon technicien là qui avait fait like deafen. Monsieur le technicien. In Jollof, not here, in Jollof Lounge. What? But in Jollof Lounge, music in Jollof Lounge, okay? Okay. Okay, I guess might have to do a charger. Okay. Allez, Saga, t'es ici? Saga, t'es ici? Oui, ici, voilà, tu m'entends? Voilà. Oui, j'étais accidentellement... Donc, tous les autres doivent aller sur Jollof Lounge, n'est-ce pas? Ouais. Ok. Voilà. Ok, c'est bon maintenant. C'est bon. Okay, je vais changer de scène. Malheureusement, là, on peut plus les entendre. Ouais, on peut plus les entendre, mais je viens de réaliser que mon microphone était toujours vert, je pense. Ah, ok. Bon, pas grave. Voilà. Ok, commence. Salut tout le monde. Bienvenue sur ce direct. Bonjour ou bonsoir à tous. Nous avons Enzo, nous avons Mustapha Rover, nous avons Mams. Salut Mams, musique serrée, oui.
Et Coco Simon Senla, Mustapha Robert. Oui, ça c'est cool, très cool. Loti, salut à toi depuis Dakarou, là aussi est avec nous et aussi avec Alex Gang. Salut Alex, comment allez-vous? Voilà, donc aujourd'hui nous avons un vol très spécial et nous allons faire un GABS Bamako et nous allons relier l'aéroport de Niamey. Ça, Donc, c'est nous allons faire un cockpit partagé aujourd'hui. Et ce vol, nous allons le faire avec notre commandant de bord aujourd'hui, Di Vinci. Donc, yep, salut tout ça le monde. sera une journée d'enfer. Vas-y, Di Vinci. Ok, bon, on va essayer de faire notre. Ça sera peut-être comme un Voltes, quoi. Voilà, donc nous sommes toujours en phase de test en ce moment. Et nous avons quelques confrères pilotes avec nous ici sur Vatsim. Ouais. Voilà, donc cet aéroport GABS est conçu par Abdul. Abdul n'est pas avec nous aujourd'hui. Et l'aéroport de Niamey, aussi conçu par Di Vinci. Et aussi notre pilote pour aujourd'hui. Et nous avons Roland de l'autre côté avec une Kenyan Airways. Et après Roland, je pense que nous avons la Turkish Airways de Manfred, depuis la France aussi. Ensuite, nous avons notre ami Ali avec Air Algérie. Et nous avons la nou toute nouvelle livery de Royal Air Maroc. Et je pense que de l'autre côté, nous avons une autre Royal Air Maroc. Je sais pas qui est aux commandes. Voilà, donc nous allons dans le cockpit et le commandant de bord et moi, nous allons effectuer nos checklists et nos procédures pour avoir un départ dans une quinzaine de minutes. Voilà, Ouais. alors, commandant. Allez-y. Ok, on commence là. Je vais établir le power. Tu as un push-to-talk? Non, je sais pas. Ok. Des fois, ça coupe bien avant. Ok. Voilà, maintenant, ça va mieux. Ah, ok. Ok, j'ai établi le power. Ok. Power établi. Ok, donc je vais mettre la batterie en ligne. Ensuite, je mets le groupe électrogène en ligne, ce qui est fait. Aussi, les lampes de secours sont armées. Et je vais aligner les IRS. Ok, tu peux avec ça, je vais faire le. Check the mic one more time. Cutting out a little bit. Ok, attends, je vais voir, je peux. Ok, est-ce que c'est. Ça coupe un peu toujours. Tu veux qu'on aille en exclusivité? Sûrement, ça va être mieux. Ok, essayons ça. Je vais t'appeler sur Discord en exclusivité. Voilà, ça va maintenant? Tu m'entends? Je t'entends maintenant. Voilà, moi aussi j'entends. Est-ce que c'est mieux maintenant? De mon côté, ça va, c'est mieux. Ok, Voilà, tout. nous avons aussi en ligne avec nous Shérif Ahmed Salahadine. Bonsoir à vous, Shérif Ahmed. Merci beaucoup, Shérif. Super Flyman. Nous l'avons aussi ici en ligne avec Turkish 543. Ok, nous avons Super Flyman avec la Turkish 543. Et donc Manfred et l'autre Royal Air Maroc. Voilà. Salut tout le monde et bienvenue. Ok, capitaine. Donc, on suit les flows, n'est-ce pas? Oui, on peut faire ça. Ça va être Ok. plus facile.
Ok, donc nous suivons les flows. Sortir le checklist encore une fois. C'est difficile de lire le document sans pour autant être en zoom. Oui, malheureusement. Donc ce que je vais faire, utiliser le checklist qui est sur... voilà. C'est le Avitab quoi. Le Avitab, okay, Flight Control Panel. Ok. It's checked. Yep. Navigation panel check, display switch is set, fuel panel set, fuel panel is set. Sweet panel de l'électricité c'est déjà configuré. Fire protection panel. Et là, attendez. Et le fire protection panel c'est ok. Ok, on décolle sur la 06, n'est-ce pas? 06 aujourd'hui, pas besoin d'API. En equipment cooling normal. Suite. Emergency exit light guarded. Ok, je vais voir la météo sur Niamey actuellement. Voilà, donc nous partageons les responsabilités. Le commandant de bord et moi donc, partageons ces responsabilités. Configurer l'appareil. Ok, actuellement sur Niamey, on a des vents de 140 degrés à 4 nœuds et une visibilité de. Okay. Oui. Okay, le ok, c'est ça seulement on a besoin actuellement. Okay. Donc on va un peu. Off. Je pense qu'on va prendre la 09 droite pour 09 l'arrivée. Droite pour l'arrivée. Ok. Ouais. The light. Panel des moteurs et oxygène. Et oxygène des passagers, c'est ok. Annual gear extension access door. Là derrière. Ah, manual extension access door closed. Okay. Breaker panel check. Breaker, les fibres sont ok. Et il nous reste combien de temps pour l'alignement des IRS? Ok, c'est ouais. Fini déjà. Oh, l'alignement des IRS c'est fini? Oui, c'est fini. Okay. Max speed test. Stall warning test. Est-ce que tu arrives à voir tous les lights là? Ouais, on arrive, j'arrive à voir toutes les. Je suis en train de tester quoi. Voilà, c'est bien, c'est bien. Ok, El Bapino dans le chat nous dit que le volume est un peu faible. C'est de mon côté, El Bapino? C'est faible? Une seconde, je vais augmenter. Volume de l'appareil ou bien volume du son? Voilà, j'ai augmenté le volume de mon micro. Ok, mon cher, tiens-nous au courant pour le volume. Okay. Dis-nous comment ça va. Ok, trim air, allumé. Aujourd'hui, nous serons au niveau 350. Yep. Salut, Badambay, depuis l'Argentine, mon cher, ça va? Buenos días, si.
Buenas tardes o noche. Ok, volume du son dit Elba Pino. Une seconde, je vais essayer d'augmenter le volume du son en général. C'est pour l'appareil, quoi, pour l'avion. Pour l'avion, oui. Ok, Ali repousse, c'est bien, voilà, parce qu'il faut qu'on s'espace un tout petit peu. Oui, oui. ok, j'augmente le volume, Mon petit frère vient de m'envoyer un texte sur mon téléphone me disant que les gars demandent à ce que j'augmente le volume. Ah, ok. Ok, ok. Mixeur et le plan. Voilà, ça doit être un peu plus fort maintenant. Et plus tard, vous me diriez peut-être que je vais devoir diminuer. Je mettrai les moteurs, mais en ce moment, ça va. Ok, Ali, ne perds pas de temps. Hein. Ouais, c'est bien, il faut qu'on s'espace de toute façon. Ah oui. Ouais, il faut qu'on s'espace, sinon okay. Nous allons... Notre QNH, c'est 014 actuellement. Pour ici, quoi. Le QNH 014, ok. Voilà, donc je vais configurer le QNH de mon côté. Donc, nous n'avons pas encore... initialiser la position de l'appareil, n'est-ce pas, sur le FMC, ou bien c'est fait? Si, c'est fait, c'est fait. J'ai déjà mis la route même. Ah bon? Ouais. Ok, il y a un problème donc, parce que de mon côté, c'est encore non paramétré. Ok, donc ton navigation display, tu vois rien actuellement? Mm-hmm. Tout est dark. Ok, bon, je vois ça sur le stream, c'est bizarre, hein? Now, ce que nous avons changé de position peut-être une, deux, trois fois même. Oui, oui. Je sais pas si ça aime ça. Ok, c'est bizarre parce que. Attends, je vais essayer quelque chose. De mon côté, tout est non aligné. Il faut bouger les IRS là sur Align, Back sur Nav. Align, Back sur Nav. De mon côté, ça clignote. Les IRS. De mon côté, les IRS, ça clignote. Je pense que nous sommes à 5 en ce moment. Parce que sur ton FMC, position référence, je ne vois rien. C'est vide. J'ai fini de mettre la route. Hein, c'est vide. Ok, donc il y a un problème. On se reconnecte? Oui, on peut essayer. Essayer de se reconnecter. Smart copilote. Ok, je quitte. Là. Siri, calme-toi. Ok, donc je vais quitter. Ok, j'ai quitté. Ok. Donc, vas-y. Donc, c'est toi qui dois me joindre, non? C'est moi le master, n'est-ce pas? Oui. Ok, parce que avant c'était moi qui t'avais joint donc. Donc c'est toi le master, donc c'est toi qui. Donc on doit retourner sur Cold and Dark ou bien. Faisons ça. Allons sur Cold and Dark rapidement. Okay. Nous pouvons le faire depuis le FMC, n'est-ce pas? Je ne sais pas. Hein. Allons-y. Va sur. Habitable ou bien. Habitable, non, customize. Voilà, va sur Habitable, customize. Ok. General config, non. Ouais, general config. Okay. Turn around, cold and dark. Yeah, j'ai ça sur cold and dark. Donc. Est-ce que ça a réinitialisé l'appareil? Oh, tu as changé de turn around et de. Ouais, et j'ai changé turn around et j'ai mis ça sur cold and dark, mais rien du tout. Non, il faut qu'on reload les. Comment ça s'appelle? Non. Va sur Manage, va sur Home. Home, ok. Va sur dernière page, page 2. Ok. Save and load. Save and load. Manage okay. State presets. Manage state preset, ok. Uh-huh. Cold and dark. Reset cold and dark switches state. Ok.
Bien. J'ai fait ça, mais rien ne change. Peut-être qu'on doit devoir redémarrer le simulateur là. Ou bien on va reload le aircraft même. Reload aircraft, ok, on essaie ça. Yeah. Désolé les gars, on a quelques problèmes de paramétrage du logiciel qui nous permet d'être un seul appareil. Voilà, donc on va reload aircraft state. Bon, moi je suis allé en haut là. En haut, developer. Yeah, reload the current with aircraft. With art, oui. With art. Yep. Ok. Devoir. Ok, Sheriff Ahmed dit veuillez bien voir le zoom. Précisément, Sheriff. Donc, ça dépend quoi de nos vues et paramétrages. Ok, je suis revenu. Ok, et Elba Pino dit on risque d'être contrôlé à l'arrivée. Ah bon, ok. C'est bien, c'est bien. C'est bien. De toute façon, moi j'ai les radios. Ok, moi aussi je suis revenu. Ok. Donc, tu lances la requête pour me joindre. Mort, copilote. Ouais. Ok, je te donne mon adresse. Oh, voilà. Ça donne une nouvelle adresse, n'est-ce pas? Ouais, ça donne une nouvelle adresse. Ok. Donne-moi quelques secondes là. As-tu arrêté le serveur et redémarré ton serveur Smart Copilot? Oui, oui, ça dit join actuellement chez okay. moi. Donc. Parce que moi, mon serveur était toujours en marche, hein? Mon serveur Smart Copilot. Oh non, j'ai pas arrêté même. Okay, attends, j'arrête ça. Il faut arrêter. Okay. Ok, j'ai arrêté ça maintenant. Umar John, my friend, man. Brother of mine, un frère de moi. Dans la salle, salut Omar. Ok, maintenant j'ai démarré, voilà. Yep, moi aussi. Ouais, Mohamed, ça peut se faire sur FSX, hein. Je pourrais sur Vatsim. Voilà, maintenant, j'attends de te rejoindre. Ok, tu as lancé la requête. Je dois lancer la requête pour être en tant que slave parce que j'ai pas ton adresse, ton ID. Oh, ok. Attends, je te donne le mien. Ok. Et qu'est-ce que je pose là? Alors, nous avons passé notre temps à tester hier et avant-hier, tout était nickel. Mais aujourd'hui, pendant le direct, quelques soucis. Ouais. Et là, on dirait que mon PC s'est planté comme ça. Yeah. Oh my God. Yep, ça va pas être facile. Planté? Oui, explain là, ne répond plus actuellement. Attends. Oh oui, explain a crashé. Explain a crashé? Oui, attends, je reload ça, ça va pas prendre du temps. Ok. Ok, donc je vais... lire les messages, j'ai raté beaucoup de messages, hein. Ils disent départ prévu à quelle heure? Bon, départ était prévu à 16h30, hein. Ben, ça va, on va se rattraper. Les gars, n'attendez pas, donc nous allons devoir nous rattraper en vol. Donc Alimo était en pushback. Okay. De toute façon, on est deux, donc. Daddy Mohamed One, on est deux, donc on partage les tâches. Le volume est bon, devant seulement Roland, ouais, devant seulement. On risque d'être contrôlé, oui. Ah, c'est bien. Superflyman 974, la classe, oui, oui, oui. Si ça clignote, ça veut dire que nous ne sommes pas alignés. Oui, en fait, c'est pas quelque chose d'alignement. Nous sommes désynchronisés sur le logiciel Smart Copilot. Donc, il va falloir tout réinitialiser. Parce que je pense que Smart Copilot, il faut commencer à une porte et rester à cette porte, sans pour autant changer. Donc au début, nous avons changé de la porte 6A jusqu'à la porte 4A, 4B, quelque chose comme ça. Que demander les vents de Gabs. C'était à 140 à 4 nœuds.
J'ai pas le truc ouvert, les vents de Gab. Bon, j'avais ouvert ça tout à l'heure, ça disait 140 à 4 nœuds. Et avec le truc là, de toute façon, je l'ai ici. Hein. Les vents de Gab sont variables de 30 degrés à 140 degrés 4 nœuds. Donc, ce sont des vents minimums. Je suis presque là. Deux passagers et demande de rembourser les billets. Non, 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 non. Pas Hein? de remboursement. On n'a même pas encore 30 minutes en retard. Pas 30 minutes de retard. Ouais, les vents sont variables, El Bapino. Sont variables de 30 à 140. Je Voilà. suis revenu. Attends, je vais vérifier. Je suis dans quel. Je suis à 4A. Nous étions à 4A, n'est-ce pas? Oui. Ouais, nous sommes à 4A. Ok, Et lui, il est je serai. parti, hein? Qui? Il a Ali? décollé? Allez. Oh, il est en, je le vois, Mais il est en comment elle taxi. arrive à faire aussi rapidement, lui? Il est en taxi. Ouais, Il fait Ali, tu partie sais, de lui, l'église, c'est un fanatique du 737, donc il peut tout configurer, même endormi. Ah ouais. Ok, là, tu me donnes ton ID, n'est-ce pas? Je pense que je viens de donner mon ID, mais je vais vérifier. Attends. C'est sûr. Donc ça n'a pas changé. Ouais, ça n'a pas. Parce que j'ai déjà redémarré. Voilà, c'est mon ID sur le Discord. Ok, j'ai pris ça. Attends, donne-moi. Ok, paste. Donc c'est bon là. To start. Ok, je peux faire join ou bien. Oui, je pense. Ok, join as master, quoi. Voilà. Voilà. Maintenant, ça va. Nous sommes connectés. Ok, on Voilà, va maintenant essayer encore. allons-y et nous allons essayer de rattraper le temps perdu. Donc, Attends, mes grand power. Grand Power. Et moi, Ok. j'établis la puissance électrique. Batterie en ligne. Voilà. Voilà. Donc, je vais aligner les IRS. Ok. Seconde. Voilà, maintenant je mets sur nav. Voilà. Okay. Voilà, yaw damper allumé. Avec le yaw damper là. Ton yaw damper, il est allumé ou non? Off. Your damper c'est on On, ok, actuellement. voilà, c'est bien. Synchronité. Ok, on va essayer encore. Et l'écran de navigation, c'est ok. Écran d'affichage, ok. Pompe à kérosène. Éteinte. Et le train est abaissé. Service interphone off. Le panel des moteurs est OK. Voilà, il nous reste 5 minutes avant d'aligner les IRS. Ok, Et je vais vérifier aussi. Ok, je vois pression de 5 minutes aussi. l'oxygène, c'est OK. L'oxygène des passagers, c'est OK. Pas d'éclairage. Chauffage des pare-brise, testé. Chauffage des pare-brise. Pieds aujourd'hui. Et je pense que pour notre arrivée à Niamey, c'était 730 comme non 750 comme niveau de l'aéroport. Ça, c'est ici, hein? 750. 750, c'est ici. Oui, je pense C'est Niamey, aussi c'est. la même chose que Niamey, je pense. Ah bon? Ok. Ouais. Il y a l'un des trois endroits, c'est 1040 ou quelque chose comme ça. C'est Peut-être c'est à Ouagadougou. Ouagadougou, c'était 1040, voilà. Non, ok. Le Ouagadougou, c'était 1040. Voilà, Niamey, c'est 731 pour être exact. Ok. Voilà. Et emergency lights. Steady. Voilà, tu es en train de mettre le kérosène, je vois. Oui. Voilà. On a OK. 10 tonnes 700. 1700, OK. Pression barométrique était 1014 de notre côté. OK. Voilà. Pour le moment, trafic
Il y en a du trafic et donc on va prendre un code transpondeur fictif. Voilà. 2250. Je vais tester système d'extinction d'incendie. Et tu disais que l'altitude ici c'est 740, n'est-ce pas? Non, à Niamey. Ok, la pression barométrique est de 1014. Ici? Juste configure 1014. Ok, parce que souvent tu essaies de vérifier avec l'altitude de l'aéroport, quoi, pour voir si. Ouais, c'est si aussi. La pression exacte. C'est 1246 ici. Oh, 1246. Ouais, de mon côté c'est exact, c'est ok. Ok, attends, de mon vérifier. Côté j'ai 1240. Il y a 1246, ok, ouais. C'est bon. Donc 1014, bon. Voilà. Donc j'ai déjà effectué le test d'extinction d'incendie. Donc, vérifie l'oxygène. En cas de perte de pression. Ah. Ok, Superflyman, la Turkish va repousser, voilà. Enzo, le son de ta voix augmente. Ok, je vais voir. Attendez. Voilà, j'ai augmenté le son de ma voix. Merci, Enzo. Voilà, donc de mon côté, je pense que. Ah, okay, ceinture de sécurité. Bon, j'essaie d'y aller sans pour autant lire. Parce que je pense, mais. Bon, on va se rappeler, on va faire le checklist après. Voilà, donc, Captain, je vais dehors pour faire l'inspection de l'appareil, ok? Ok, roger that. Voilà, ça c'est l'inspection de l'appareil, ça ce sont les probes. Voilà le train avant. Le train avant est ok. Dans le train arrière gauche. On dirait que Manfred fait son repoussage. Train arrière droit. Nous avons le réacteur numéro 2. Réacteur de la droite. On vérifie que les hélices sont ok. Pas de fuite d'huile hydraulique. Là, le réacteur est ok. Les ailes. El Bapino, il y a un oiseau dans le réacteur gauche. Avec cette nouvelle livery de la compagnie Royal Air Maroc, c'est en tout cas fantastique. Un joli design. Ok, Ali Mohamed est aligné pour la piste 06. Quelqu'un peut-il autoriser Ali Mohamed au décollage? On dirait que Roland fait son repoussage aussi. Oh. Oh, Ali Mohamed a décollé, je le vois. Voilà, l'aile gauche est ok. En dessous okay, aussi ok. Le réacteur 1, ok. Voilà, les hélices du réacteur numéro 1 sont ok. Ok, capitaine, tout est ok pour l'inspection de l'appareil, pas de problème. Ok, on va commencer avec les procédures avant le démarrage. Ok.
Procédure avant démarrage, je vais mettre APU en marche. Voilà, donc en ce moment nous sommes fournis en électricité par le groupe électrogène au sol. J'allume l'APU pour pouvoir nous débarrasser du groupe électrogène au sol. Je vais mettre les pompes à kérosène. Ah. Je peux tout juste dire au truc de démarrer l'embarquement. Ok. Voilà, et comme vous voyez, la température de l'APU augmente. Salut Ouseinou, Ouseinou Sonko, comment ça va? Bonsoir à vous. Voilà, et on a la température qui commence à se normaliser. Et dès qu'elle atteindra 500 degrés, l'APU sera disponible. En ce moment, nous pouvons les mettre en ligne. Comme vous voyez, l'APU est disponible et sur le système électrique, comme vous pouvez voir, nous sommes connectés au groupe électrogène au sol. Et en ce moment, si on va sur l'APU, c'est où là? APU gène, tu vois, vous voyez, nous tirons 0 ampère. Et dès qu'on met l'APU en ligne, nous allons tirer, je pense, une trentaine ou bien même une centaine d'ampères. Voilà, 72 ampères. Voilà, maintenant l'APU est en ligne. Ok, capitaine, vous pouvez déconnecter le groupe électrogène au sol. Ok. Voilà. Donc, nous allons mettre l'APU bleed, de même que les PAX, pour pouvoir fournir de l'air, de la climatisation aux passagers. Et nous voulons que tout le monde soit content. Voilà. Effectivement. Et maintenant, lampe anti-collision pour signaler que nous allons bientôt démarrer notre repoussage. Donc, capitaine, je vous laisse planifier le pushback. Ok, je vais faire ça. Donc, nous sommes en ligne sur Batsim. Donc, je vais m'occuper des radios parce que je suis le pilote. Une seconde. Ok, notre pushback sera le tail right, n'est-ce pas? Pushback, attends une seconde, j'ai pas ouvert mes chartes là et je viens de perdre mon clavier. Bon, bref. Okay. Je dois faire sans clavier. Hein. Ouais, pas de clavier en ce moment. Le nom de mon clavier ne répond pas. Ok. Ça arrive de temps en temps, donc je vais devoir utiliser la souris. Ok. Donc, capitaine, est-ce que vous avez configuré le MCP? Oui, oui. J'ai mis l'altitude à 14 000. 14 000, ok, d'accord. Et mon directeur de vol peut être mis en ligne. De mon côté, c'est bon. Moi, pendant que je fais ça, moi, j'ai configuré quelques charts. ABS. L'aéroport. Voilà, donc nous sommes ici. Donc, la queue sera vers la gauche, capitaine. Vers la gauche? Gauche ou droite, ça va. Hein. De toute façon, je pense que c'est connecté. Mais en principe, selon les charts, nous devons être que vers la gauche. Et nous allons prendre le taxiway Alpha pour rejoindre la piste et faire notre backtrack. Normalement. Okay. Selon les charts. Et peut-être que... Peut-être que... Ouais, parce que je vois une sortie de piste, là. Mm-hmm. Mais je pense que c'est... C'est la seule, non? Ouais, on doit aller vers la gauche. Vois. Ouais, on doit aller vers la gauche. Ok, je vois. Voilà. Donne-moi quelques... Voilà, que vers la gauche. Ok. Donc, on va push le tail vers... 3, 2, les gates 3 et 2, quoi. Le tail va être vers 3 et 2, voilà. Ok, c'est bon. Alright. Voilà. Ok, on fait le before start checklist. Yep. Okay, before start checklist. You call it or I call it? Can't remember.
I think the pilot flying will verify. Je vais vérifier quoi. Ok. Donc tu fais les appels, je vérifie. Ok, flight deck door. Closed and locked. Yep. Hopefully. CDU display. CDU display set. Les bugs N1. N1, on a derated one. Parce qu'on est un peu lourd aujourd'hui, donc c'est set sur le upper ECAS. Ok, 95.5, vérifié. Yep. Les bugs IAS. Ok, on a V2 qui sera 151, c'est déjà 7. Voilà, vérifié. Et le MCP? Le MCP c'est 7, là on a le V2 et Heading 061 et on va monter initialement au niveau 140. Niveau 140, ok. Et oui, tu as ton QNH sur 1014, n'est-ce pas? 1014 pour le QNH. Ok, c'est bon. Voilà, before start procedure completed. Roger. Ok, je peux faire la demande pour le pushback, tu fais les procédures d'avant démarrage. Voilà. Voilà, je suis prêt. Ok, donne-moi un instant. Ok, ils sont en train de conduire. D'accord, je les entends. Ok, après le décollage, on va aller rejoindre sur le serveur ou bien? Ouais, après le décollage, on peut aller sur le serveur. Il n'y aura pas grand chose à faire. Ok. À l'heure de notre descente. Ok. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? On a allumons en. Okay, all doors and hatches are closed. Tu as mis quoi comme landing altitude? Je vois 750. Oui, c'est 750, oui. Ok, c'est bien. Comment se fait-il qu'il y ait deux appareils sur la piste là? Ah bon? Il y a qu'une seule piste ici à Bamako. Et on a eu, je sais, Roland. Il y a Roland qui se dirige nez droit vers. L'un de vous doit se déconnecter. Roland doit se déconnecter. Manfred doit décoller d'abord. Et ensuite, Roland bon, peut. Celui qui est devant, il peut tourner et décoller. Ouais, mais ils vont se cogner l'un face à l'autre. Oui, mais lui qui est en train d'approcher là, il peut prendre cette raquette et décoller. Non, je sais pas. En tout cas, il faut voir le stream là. Oui, je suis en train de voir ça. Voilà. Je pense qu'ils ont appelé pour le parking okay. Break là. Donc, voulez-vous que je démarre les réacteurs aujourd'hui? Oui, tu peux faire ça. On commence avec la numéro 2, quoi. Numéro 2, ok. Oh. Et ça fait quelque chose de funny, là. Oui, j'ai remarqué aussi. Bon, on va voir. Voilà, donc, je démarre les réacteurs. Ok. Je commence par éteindre. Tu es en train de bouger, n'est-ce pas? Ouais, je suis en train de bouger. Ok, capitaine, okay, le stream, démarrage. Oh. Quelque chose s'est passé, hein? Ok. Oui, quelque chose s'est passé, là. Attends. Eh bien, non. On a des paramètres qui sont pas du tout synchronisés. Oh. Je sais pas c'est quoi, là, mais en tout cas, mon appareil. Moi, je vois plus rien. Mon appareil est en feu. En flamme. Eh bien, je vois plus rien moi aussi là. Ok, mais désolé. Faire le pushback. Ouais, tout est. Il va falloir. Moi, je pense qu'il va falloir redémarrer nos deux simulateurs en même temps. Oui, oui. Et redémarrer à zéro. Ouais. Ok, donc je vais faire ça. Je vais faire ça rapidement. Tu redémarres ton sim. Oui, je vais faire ça. Bon, j'arrête le Smart Copilot d'abord. Ok. Wow. Ouais, c'est okay. Bugué en fait.
Oui, notre avion. Ok, ce sont les problèmes Smart Copilot parce que apparemment, je sais pas ce qui s'est passé. Oui, parce que bon, on a essayé 3 fois avant, ça n'a pas fait ça. Ouais. Juste pour le et direct, ben, bon, je redémarre mon sim en ce moment. Moi aussi, j'ai quitté là. Je redémarre mon sim. Une seconde, les gars. Donc, vous allez voir un écran noir, je pense. Oui, on a du feu, mais on ne sait pas d'où ça vient. Là. On n'a rien fait de mal. Ok, hein. Moi, je redémarre mon simulateur. Ok, je fais la même chose. Oui, vous avez du feu dans les réacteurs. Ok, new flight. Boeing 737-800, Modibo Keita International, à la porte 4A. Je confirme, je démarre. Ok. Ton simulateur, ça ouvre rapidement. Hein? Le mien? Oui. Tu es déjà dans la configuration. Ouais. Bon, moi, que j'ai fait ça, ça n'affiche pas le menu, quoi. Donc, je vais directement sur le flight. Ah, d'accord. Moi, ça affiche le menu. Maintenant, c'est en train de télécharger. Et bon, quand j'arrive là, je dois changer le gate, là, parce que j'étais à 5 alpha. C'est ça un problème déjà. Je pense que... Je ne sais pas si ça aime ça. Parce que moi, je serai directement à la porte 4A. Oh, ok. Peut-être que non, oui, je vais, je sais pas. Normalement, ça doit finir là où tu étais en dernier. Dernièrement. Dernièrement? Kyrillos, on va se croiser. J'arrive à GABS de Dakar. Allez, on va se croiser. Ok, je suis dans le simulateur, porte 4A. Ok, moi je suis dans 5A, donc il faut que je change de. Et je pense pas, je sais pas si le sim aime ça. Je sais pas, mais essaie, je sais pas. Ok, je suis à 4 alpha. Oh, je dois me reconnecter. Non, on n'a pas eu ce problème hier, donc non, je sais pas. Je dois me reconnecter sur Vatsim là. Sur Vatsim, ok. Heureusement, il n'y a pas de contrôleur ici. Hein. Ouais, heureusement. Je pense que ton connection ID, là, ça va changer. Ouais, connection ID va changer. Il faut que je te donne la connection ID, le UI. Vu qu'on a perdu un peu de temps, là, on va faire rapidement. C'est directement facile. APU, n'est-ce pas? Oui. Ouais, sans pour autant de groupe électrogène au sol. Est-ce que tu avais activé les générateurs de l'APU, là? Puisque moi, tout s'est éteint soudainement quand on a commencé à faire le. Oui, le générateur de l'API était déjà en ligne. Online. Ouais. Ok. Parce que j'en ai parlé et je parlais de. Oui. Je parlais de. Comment dirais-je des ampères et autres. Ah, ok. Voilà, donc, on est au même endroit là. Voilà, donc voici mon adresse ID. Ok, je copie ça. Kyrillos est en Air Sénégal au HC, c'est Air Sénégal, je pense. Je sais même pas. HC c'est Air Sénégal, HF c'est Air Côte d'Ivoire. Oh. Ouais. Ok, on va lancer. Oui, maintenant tu fais join, n'est-ce pas? Ok. Je vais accepter. Non, non, je ne peux pas faire join, c'est toi qui vas faire join. Parce que moi je t'ai donné mon adresse ID. Oh, ok. Alright. Je vais essayer encore, on va voir. Voilà, ça y est. Ok, c'est bon maintenant, on va essayer de faire rapidement. Tout le monde a décollé déjà? Ouais, il me semble que tout le monde a décollé. Hein. Okay, sauf Truc, il est toujours en train de se diriger vers la piste. Bon, je sais ce que nous allons faire. Oui. Tu veux qu'on fait instant align? Oui, on peut faire ça. Donc, va sur ton habitable, home. Ok, home.
Customize. Oups. En ce moment, apparemment, on ne peut pas faire en même temps. Vas-y, oui, vas-y. Réalisme. 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 Ok. Align short. Time. Make it short. Ok. Voilà. Ok. Refuel voilà. Time. I'll make it short as well. Refuel time. Ok. That's fine. Ok. Everything else should be fine. Ok. So, je vais démarrer pour une troisième fois. Nous nous en excusons, les gars. Ok. Donc, batterie en ligne. Et immédiatement, maintenant, nous allons mettre l'APU en ligne. Ok, je vais faire rapidement avec le FMC là, on va voir. On va faire démarrage rapide et autre, hein, nous rattraper. Ouais, on a perdu assez de temps. Hein. Bon, ce n'est pas de notre faute. Et nous avons bien fait de tout tester, mais comme pour le direct là. Ouais. On a testé trois fois. Hein. Manfred, je suis tout juste derrière toi, dit El Bapino. Les gars, c'est comment? Pas de pression, nous pas de pression. De toute façon, c'est... non, je ne dis rien. Je ne dis rien. Je voulais dire que c'est l'atterrissage qui compte, mais... Ah, on va voir ça. Hier, on a eu un atterrissage de moins 15 000, n'est-ce pas? On a eu MCAS. MCAS, voilà, voilà. Lors de notre phase de test, nous avons eu un problème avec le système MCAS. Ouais. Voilà, l'APU est disponible, donc je mets l'APU en ligne. La puissance électrique a été établie. Tu as fait les IRS là? Ouais, je fais les IRS en ce moment même. Ok, ça je vais mettre notre position initiale. Voilà. Donc j'ai tout fait rapidement là, sans pour autant lire. Les deux pompes hydrauliques en ligne. Nous étions à 35 niveaux de vol, n'est-ce pas? Oui, oui. Voilà. Et l'altitude à Niamey était de 750. Mm-hmm. Voilà. Tu viens de mettre la ceinture de sécurité ou quoi? Non, non. Ok, je viens de la mettre. Ok. Ok. Ça prend combien de temps les IRS là en short? Voilà, ça y est, c'est fait. C'est fait, c'est fini. Okay. Ouais, ça vient de finir là. Ok, c'est bon, on va faire. Donc je te laisse continuer de programmer le FMC. Oui. Moi je vais configurer le système transpondeur. Mettre les radios sur. On va mettre le fuel aussi là. On avait 18 tonnes de payload. Ah, qu'est-ce qui se passe avec ça? Qu'est-ce qu'il y a? Turn away. Tout est bon actuellement? Ouais, tout est bon de mon côté. Ok. Et je vais tester le système TCAS. Ok. Notre cost index est 80. Ouais, tu peux mettre à 150 hein, pour rattraper le temps. Ouais, bon, de toute façon, on va les attendre un peu. On paye pas le kérosène. Ok. Flight level, c'était 350. 350 comme niveau de vol. Ok. On a fait 14 comme déviation. Increase climb. Increase voilà. Climb. Increase descent. Increase descent. Ça fait 14 000 pieds, n'est-ce pas? Bon, oui, on peut aller directement. Bon, je fais sur 14 000 pieds maintenant. Okay. Puisqu'on est deux, on peut changer. Oui, on va pas oublier. Hein. Voilà, le test TCAS est réussi. 0,96,17. Maintenant, le test GPWRS. Ok. Wind shear. In a think rate. Terrain. Bon, dès que terrain. Tu mets ton directeur de vol, je peux mettre le mien, puisque c'est toi le too low. Terrain. Commandant de bord. Too low. Gear. Cette phase. Too low. Flaps. Too low. Tu parles terrain. De flight director? Ouais. Ok, je vais mettre Bank angle. Bank voilà. angle.
bientôt vous voir en ligne. 2500. 1000. On va faire voler 500. 5 aujourd'hui. 400. Notre siège c'est le 531. 531, ok. 200. On aura un V2 de 151. 40, donc. 30, tu peux 20, faire ça aussi. 151 pour V2. Wind shear. Voilà. Too low, terrain. Et je te laisse armer L-Nav et B-Nav, juste au cas où on aurait des problèmes avec. Ok. Voilà, je les vois, c'est armé. C'est armé, ok. Ouais. Et 5-24, tu dis, pour le CG? Oui, 5-31. 5-31, d'accord, c'est configuré. Ok. Voilà. Bon. Ok, on va faire before start again. Et je mets les pompes à kérosène. Mm-hmm. Ah. Voilà, je suis prêt. Ok, bon, tu fais les appels ou bien. Je peux faire les appels, tu vérifies. Ok. Flight deck doors. Closed and locked. CDU display. Set. N1 bugs. 95.5 set. Checked. And IS bugs. Set V2151. Checked. And MCP? MCP is set. We have V2151 heading 079, altitude, flight level 140. Checked. Right before start procedure, checklist complete. Yeah. Okay, je vais faire l'appel pour le pushback encore là, on va voir. Yeah. C'est déjà configuré donc. On croise les doigts. On va voir. Sinon, il y aura problème de mèche, hein? Si ça se passe encore, on dirait qu'il y aura un problème de mèche, mais on va voir. Oui. Ok, j'ai fait request pushback. Voilà. Et je vais vérifier le panel supérieur. Oui. Déjà mettre les packs sur off. Hein. Tu as mis les packs sur off? Non, j'ai dit qu'il peut déjà mettre ça. Ok. Donc, packs sur off pour préparer. Voilà. Ok, on attend le rappel là. Pour le frein. Yeah. Bon, ce que j'ai fait d'habitude, c'est que j'enlève les freins. D'abord quoi. Pour que la passerelle se déconnecte, quoi. Vas-y. Et remets les freins. Okay. Voilà. C'est plus réaliste, quoi. Ok. Ouais, c'est en train de bouger. Espérons, Alimo, cette fois-ci, espérons que ça sera la bonne. Devant seulement, mon cher, devant seulement. Ils sont à quel niveau, là? Ouais, vous êtes à quel niveau, là? Ok, je vais mettre ma portion sur terrain. Ok, ils sont en train de soulever l'appareil, là. Voilà. Okay, release parking brake. Parking brakes released. Ok. Donc, même procédure de démarrage? Ouais. On commence avec la numéro 2. Numéro 2. Okay. Ok. Démarrage du réacteur. Oh my god. Je pense que ça va faire la même chose encore. Tu penses? C'est en train de bouger bizarrement avec le pushback là. Ok. Bon, je démarre le réacteur numéro 2. Voilà, okay. Nous avons N2. Ok, je vois ça. Oh. Eh ouais. Ok. C'est dommage. Il y a quelque chose qu'on n'a pas... Il y a quelque chose que nous n'avons pas. Tu sais quoi? Ouais. Donc, allons sur directement. Essayons de faire... le vol séparé pour rejoindre les gars. Ouais. Et ensuite, peut-être quand on sera à Niamey, on peut essayer à nouveau. Parce que nous avons déjà fait Niamey-Ouaga
et tout était ouais, ok ouais. Sur le sur Smart Copilot. Ouais. N'est-ce pas? Y a pas de problème. Ok. Donc moi je reste en tant que. Ouais. Bon, si tu es en feu actuellement encore. Ouais, je dois recommencer un nouveau vol. Même moi aussi. Parce que donc, là je vois rien. Je vais faire. Je vais arrêter Smart Copilot. Ok. Mais voilà, ça, donc désolé les gars, hein, mais nous allons vous donner l'occasion de voir Smart Copilot. Moi, je vais commencer de cette position. Ouais. Ben là, on peut retourner sur le truc là, le serveur. Hein. Ouais, on peut retourner dans le serveur vocal, voilà. Ok. Voilà, on rejoint le serveur vocal Jollof Lounge. Ok, si j'arrive à m'y retrouver. Ok. Voilà. Ouais. Voilà, tu seras à quel port toi? Bon, je vais faire 4A ou bien 5. Non, je vais être en 5A. Là où 5. J'étais avant. Bon, de toute façon, moi je vais changer. Je vais être un petit peu 7. Ou bien 6A. 6A. Voilà. 6A, ok. Voilà. Voilà, je suis en port 6A, donc je peux changer de côté. Je peux être du côté du capitaine. Ok. Il dit qu'Ali va réparer l'avion. Ali va réparer l'avion? D'accord, ok. Donc, procédure rapide, hein. Moi je vais faire comme nous l'avions fait, réalisme, short, ok, voilà. Donc, 18, donc même payload, voilà. Donc, pas besoin de changer de payload. Mm-hmm. Groupe électrogène au sol. Connecte pour le moment et immédiatement on met la PU. Ok, je suis connecté. Je ne sais pas si on a le même numéro de vol. Oui, mais j'ai mis 82 ici. Voilà, c'est bien. C'est, moi, je ne me suis même pas encore connecté sur Batsim. Hein. Okay. Il faut que je fasse ça okay. Maintenant. Faire un truc rapide là. Batsim. Oh, shit, Batsim. Ok. Pompe à kérosène. Comment les gars? Bon, ça va. Ah ouais, on dirait qu'il y a un problème de mèche, mon cher. Ça veut pas faire, ça veut pas faire Smart Copilot pour le direct là. Exactement la même. Mais le problème c'est qu'on a fait beaucoup de tests et pas de problème jusqu'ici. Ouais, mais on n'a pas testé avec Bamako. On a testé avec Niamey, on a testé avec Ouagadougou, mais on n'a pas testé avec Bamako. Je suis sûr que si on. Tu n'as pas ce. Il y a une erreur avec la scène de Bamako qui te dit de télécharger la librairie là. Non, j'ai pas d'erreur avec la scène de Bamako. Tu as une erreur avec la scène de Bamako? Oui, j'ai ça, je pense, Roland okay. Aussi avait ça. Ok, donc c'est ça le problème. Moi, si vous me dites que c'est quelle librairie, je peux vous balancer la librairie. Bon, parce j'ai que... ça, c'est le problème. C'est la CDB, CDB, oui. Je crois. Ouais, peut-être, mais des fois, les scènes changent. Oh. Et les librairies changent. Donc, je vais vous balancer la librairie. Mais moi, j'ai ok, balance-nous la CDB, peut-être, comme ça, on va la mettre à jour. Mais on a regardé ça avec DaVinci. Normalement, on était nickel. Oui, oui. Moi, j'ai arrivé à trouver des librairies c'est, plus récentes. C'est la finale. Tu prends la CDB finale. Dès qu'on sera en vol, je vous dirai qu'est-ce que j'ai. Donc, j'ai ABS okay. Et nous allons à DRRN. Et notre. Moi, j'ai le plan de vol déjà configuré. J'ai ABS. Nous allons où là? Niamey DRRN. DRRN. 01, une seconde dans le chat, j'ai pas encore avec tous ces problèmes donc j'ai pas jeté un œil dans le chat. Moi je suis à 13 nautiques de Manfred. 13 nautiques, okay. Moi je suis la RAM 981. Manfred, là? Nous allons prendre la piste 06 et nous pouvons activer, exécuter paramètres de performance en réserve. Disons, nous aurons 2,5 tonnes à l'arrivée. Pas moins, coût d'index 150, niveau de vol 350, et qu'est-ce que nous avons comme vent en croisière 0,96 avec
test de 17 nœuds, déviation ISA, 14 degrés Celsius. Alors moi, je serai. Je prendrai les airs dans 10 secondes, non? Ah, même moi, hein. Ah bon? Ah ouais, on va voir. Ok, je vais prendre une température assumée de 36, une TO1. Nous allons prendre aujourd'hui volet 5, centre de gravité 531, V1 146, VR 147, V2 151. Voilà. Voilà. Donc niveau pour le moment 16 000. Et nous allons programmer notre départ qui est déjà fait. Pour l'arrivée, c'était la Benga, n'est-ce pas? Oui, tout Victor. Piste 9 droite. 9 droite pour l'ILS avec une transition à retard. On exécute. Nous avons une altitude de restriction. Voilà, pas de discontinuité. Ça, c'est magnifique. Okay. Quelques points de référence par rapport à DRRN. Notamment un cercle avec un rayon de 30 miles nautiques de l'aéroport, un autre de 15 miles nautiques, un de 4 miles nautiques. Et avant ces 4 miles nautiques, nous devons être complètement configurés. Et je vais demander mon pushback. Voilà, moi je suis en train de demander mon pushback, hein, mon cher. Ok. Collision light allumé. Est-ce que tu arrives à me voir là? Oui. Avec une American Airlines. Tu voles avec quoi là? J'ai Royal Air Maroc, mais okay. Là. C'est pas grave. Je prends 747 à côté de moi là. 747? Oui. C'est pas moi là. United. C'est pas toi? Ah bon? T'es où? Moi, j'ai pas 747, hein. Bon. Je pense que c'est... Oui, c'est ça ce que je vois. OK. Il y a erreur avec mon... Comment ils appellent? Avec ton Batsim CSL? Okay. CSL, oui. Bon, c'est pas grave. OK. De toute façon, moi, je suis prêt pour le repoussage. Et... Okay. Ça, donc, il y a déjà ton API et tout ça? Ouais, ça y est. Moi, je repousse là. OK. Et freinage automatique sur RTO, LNAV. Je peux pas engager LNAV là, bizarrement. Ok, retour sur les messages. Ali a dit bonne idée, rip. L'avion a déjà... Un passager dit qu'il veut faire le thé dans l'avion. Absolument pas. Voilà. Ça y est, bon, j'y vais pour le repoussage, hein. Ok. Ok. Minuterie engagée. Ok, frein à main enlevé. Port fictif transpondeur. Déjà les gars, fait. L'arrivée, c'est par Bangav Ritat, c'est ça? Ritat, ouais. Voilà. Voilà, donc démarrage des réacteurs. Tout est configuré. On éteint les packs pour pouvoir fournir de l'air. Ouais, je te vois pousser là. Avec une 747? Oui, United. United, wow. Ok, problème les gars, vous voyez, j'ai démarré le réacteur, mais rien ne se passe. Vous savez pourquoi? Parce qu'on n'a pas d'API bleed pour fournir l'air nécessaire. Et voilà, nous avons mis l'API bleed. Et voilà, tada! Ok. Ok, je vais pousser dans une minute. Voilà, nous sommes à 11%, 13% N2. Voilà, 25%, on peut introduire le kérosène. Voilà. C'est magique, hein? Super Flyman 974. Dans le mien, il a carrément embarqué des poules en classe affaire. Voilà. Voilà.
Réacteur numéro 2 est stable. À présent, démarrage du réacteur numéro 1. Et voilà, nous avons la rotation N1 et la rotation N2. À présent, nous pouvons introduire le kérosène. On configure notre compensateur. De ce côté-ci, on tire à notre copilote, mettre le radar terrain. Ah, tu pousses de l'autre côté, ok. Ouais, moi je pousse de ce côté-ci là. Puis je vais tout juste prendre une gauche et commencer à faire mon backtrack. Bon, après démarrage, les générateurs sont en ligne. La parking brake is set. Les packs sur automatique, APU bleed éteint. Chauffage des capteurs allumé. Et nous pouvons éteindre l'APU et mettre les démarreurs sur continue. Lampe de taxi aussi allumée. Et pendant que nous y sommes, aussi les lampes d'atterrissage, parce que nous allons directement entrer dans la piste qui est, comme vous voyez, sur notre gauche. Ok, j'ai commencé à pousser là. Voilà, nous allons prendre volet 5. Bien. Je vois. Voilà. Donc, okay. Flight controls check. Pull left, pull right, pull down, pull up, rudder, pull left, pull right, neutral. Et c'est ce que je vais changer, mon cher. Je vais changer, customize, le réalisme, nope, customize, customize hardware. Yeah. Voilà. Et je vais venir ici. Joystick. Boeing 700. Voilà. Ok. Ok, donc c'est parti. Pas de checklist, hein, je vais tout faire. La RAM 737, c'est moi. Oh, 737, de toute façon, la RAM, c'est moi. Hein. Voilà. Voilà, nous sommes autorisés au départ. Hôtesse de l'air. Prenez vos sièges. Okay, the cabin is secured. Have a good flight. Allez, merci. Voilà. Approche. Voie libre à gauche et à droite. Et nous allons devoir prendre la piste 24 et faire demi-tour. Ouais. Piste 24 et faire demi-tour pour nous aligner avec la piste 6. Toi, tu vas devoir patienter au seuil de la piste 24, n'est-ce pas? On runway 2. Ne fais pas comme Roland. Toi, tu dois devoir patienter jusqu'à ce que je décolle pour prendre la piste, n'est-ce pas? Ne fais pas comme Roland. Roland avait pris la piste. Au lieu d'attendre que Manfred décolle, ouais. Roland était entré dans la piste. Ouais, je vais attendre sur le taxiway là. Voilà. Voilà, de toute façon je vais me dépêcher là. Le but c'est de rattraper le temps. Et nous allons toujours nous amuser. Les gars, devant Toga, dit Roland. Toga mon cher. Ah ouais. Non, pas encore, hein. Pour moi, pas encore Toga. Mmh.
Donc, Vinci, toi, tu es où? Da Vinci va m'attendre au seuil de la piste. Ouais, j'ai fini de faire mon pushback là, j'attends qu'il décolle quoi. Roger. Toga. Yep. Les gars, Ali a un problème, il n'arrive pas à se connecter sur notre salon de l'offre. Comment ça? Ok, je peux regarder. Je sais pas, il dit qu'il est en PTT, mais il n'arrive pas à parler. Enfin, non, là, attends, le problème c'est que... Ok, Ali, vas-y mon cher. Il était en mute là. Avec mon... Il y a mon fils qui s'occupe du serveur. Ouais, il y a mon fils qui s'occupe du serveur là. Donc comme vous voyez, il y a beaucoup de choses qui viennent dans le Discord là. Donc Ali était en time out. D'accord. Voilà. Ok, donc il faut envoie lui un message et dès qu'il joint, en ce moment j'ai mon Discord ouvert et je peux voir qu'est-ce qui est en. Il est là. Manfred, ok, Manfred, voilà, j'ai eu Manfred. Je vois pas Super Flyman, hein. Manfred, c'est Super Flyman? Ouais, c'est moi. Ok, voilà, donc tout le monde est là, voilà. Oui, là c'est cool. Toga. Ouais, désolé les gars, désolé. Bon, moi je vais m'aligner là. Salam alaikum. Alaikum salam. En tout cas, Da Vinci et Ibra doivent nous. Ils sont amendés. Ils sont amendés? Eh, ben en tout cas, nous vous promettons un vol en cockpit partagé qui sera spectaculaire. Et peut-être que, et dimanche, tu sais quoi, peut-être qu'on va attendre jusqu'à ce qu'on configure Vatsim. On va voir. De toute façon, moi, je vais m'aligner là. Mais en tout cas, c'est spectaculaire là. Donc, on approche surtout avec les tâches partagées. Fais ceci, fais cela. Donc, c'est nickel quoi. Mais les gars, dites-moi, c'est qui la RAM 737, c'est qui? Ouais, je sais pas, hein. Moi, je suis ça aussi, hein. Je suis une RAM 737, là. Non, mais toi, tu peux pas être derrière moi, David. Non. Je sais, c'est qui. Est-ce que vous vous rappelez l'autre jour, là, on avait un gars qui vole avec nous, mais il ne dit rien du tout. Un certain Lamine. Voilà, c'est Lamine, c'est lui. C'est lui, Je ne me rappelle pas de son prénom. Voilà. Ok, les gars, moi je suis. Il nous suit. Il est juste derrière moi. Ouais. Il va te dépasser. Ok. donc, les gars, chronomètre engagé. On stabilise les réacteurs. Voilà, les gars, vous êtes prêts? Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Toga, les gars. Toga. Je te vois. Ouais, je te vois en arrêt là. Non, pas. Je suis en train de bouger. Non, ouais, je te vois. Ouais, je suis très loin, mais je te vois. Ok, je vais m'arrêter là. Prends une capture d'écran. Bon, je vois un 747. Là. Ah bon? Oui, c'est dommage. Moi, je te vois avec une 737 d'American Airlines. Ok, avant V1, je peux rejeter le décollage, mais après V1, je suis. Je dois décoller. Voilà, V1. Décoller. Voilà. Ok, bonne chance. Positive rate. Gear up. Et c'est là que Da Vinci. Voilà. Je vois la Da Vinci là. Oh, beautiful. Woo! Ok, de retour dans le cockpit. Et naturellement, notre nez était un peu élevé parce que je ne regardais pas là où j'allais. Voilà. 1000. Ok, passing Q2 8. Flaps in. Voilà mon cher, tu peux faire ton backtrack, hein. Ah ouais, j'ai commencé. Voilà, j'ai pas de temps. Non, je vais faire rapidement. Voilà, toujours en pilotage manuel là. Donc, LNAV. Et maintenant, oui. Au niveau de Ouaga, quoi? Ouais, c'est ça, c'est ce que ça nous dit, hein. Oh.
Voilà, standard. C'est Oscar Golf. Volé 0. Oscar Golf. Voilà, okay. Volé 0. Voilà, les gars, je suis tout juste les commandes du directeur de vol. Il a quoi en rose. Mon écran PFD. Et pour le moment, je maintiens les commandes manuellement. Voilà, donc freinage automatique éteint, les lampes d'atterrissage, les lampes de taxi éteintes. Voilà. Et aussi, on a une vitesse maximum de 250 nœuds en dessous de 10 000. Comme à 4500 pieds en ce moment. Voilà. Et moi, je pense que j'ai orthophoto aussi. Je sais pas si ça fait une différence avec ce manque de là. Je viens de me rendre compte là. C'est bien aussi. De toute façon, je vais vous balancer la librairie qui vous donne des soucis. Moi, j'ai ABS, pas de problème. Ah bon? Oui. Okay. Je passe au pilotage automatique en ce moment autorisé jusqu'à 35 000 pieds. Ce qui est fait. Avant de dépasser 10 000 pieds, je vais m'assurer que l'altitude de la cabine, ou bien la pression dans la cabine, augmente. Donc nous sommes à 2500 d'altitude. Et plus on gagne de l'altitude, plus ça va augmenter. Me confirmer que nous sommes bel et bien configurés. Pour info, il y a de l'orage, hein, Paul. Il y a de l'orage? Où ça? À quel niveau? 330 à 60 nautiques de Bupov. Ah, d'accord, moi j'ai déjà dépassé au long. Ben, faites gaffe alors. Les... D'accord. Les gars, moi j'ai un souci par rapport à votre papier de ça, je suis à 9 heures là. C'est quoi? J'ai déjà. 9R, ça me fait une espèce de. Ça me fait une espèce de hold là, bizarre. Ouais, tu peux enlever la hold. Salut Enzo. Bon, on a dû abandonner Smart Copilote pour le moment parce qu'on avait des soucis. Donc nous avons crashé deux fois même. Trois fois. Voilà, maintenant 10 000 pieds, la vitesse commandée a augmenté. Nous pouvons éteindre les lampes d'atterrissage et nous pouvons aussi autoriser la cabine ou les hôtesses de l'air à pouvoir se lever et bouger librement dans la cabine. Nous sommes en pilotage commandé. Décoller? Ouais. Voilà. Beautiful. Voilà, moi je dépasse 11 005 en ce moment. Oh, 146, ça sera des vents un peu de travers, hein? Un peu, ouais. Un tout petit peu. Et l'intensité? 146 nœuds, oh, pas mal. 100 nœuds, 6 nœuds, c'est gérable. Donc vous tous, vous allez faire ILS ou bien approche visuelle? Tout le monde sait qui va faire ILS. Ben moi, je veux faire approche visuelle comme d'habitude. ILS, c'est tout. Ok. Est-ce que tu sais qu'il y a une compétition d'atterrissage? Donc, moi, c'est ILS en tout cas. ILS? Ok. Moi, c'est pas...
Donc, c'est Juvenal One, Lamine, il est là, il est dans le serveur vocal. Lamine, tu peux nous entendre? Le Juvenal One, la RAM 737. Oh. Ouais, il est juste derrière moi. Voilà, moi je dépasse 15 000 pieds. Ok, moi je suis à 5 000 là. Tu es à 5 000, ok. Je vais vous faire une situation sur le casting. D'accord. Okay. Donc, par rapport à mon truc, ça nous dit que arriver est prévu pour, disons, 19h, hein? Ouais, ça va faire sombre. Ouais, ça sera sombre un tout petit peu. Bon, si nécessaire, je vais changer l'heure de mon simulateur, hein? C'est pas grave, c'est l'heure des beignets. Les enfants, les beignets. C'est l'heure des beignets? J'aurais bien aimé débaigner en ce moment. Ah, là-bas au States, ça dépend où tu es au States, sinon. Il y en a, hein? Il y en a des beignets? Pas ici, hein? En tout cas, nous, sur Paris, on a tout. Vous avez tout sur Paris, bravo. Ouais. J'espère bien pouvoir trouver des beignets à Niamey. Ali, il y en a, non, des, il y en a de bons beignets à Niamey? Non, Niamey, il y a Ali qui vous attend avec le tournevis et une pince, il est prêt. Mais dis-moi pourquoi. Ok, Juvenal One peut nous entendre mais n'arrive pas à se connecter. Et pourtant, Juvenal One est ok, hein. Ok, j'ai ouvert Vast Static là, on est nombreux. Hein. Bon, Juvenal One, peut-être que tu vas revoir tes paramètres de son sur Discord. Mais dans le serveur ici, tout est ok. Il y a 6 avions qui se dirigent vers Niamey, je pense. 6 avions? Oui, je vois. C'est DH. D. C'est pas de quelle compagnie c'est. DLH? DLH? DAH. DAH 207. Ouais, DAH, je suis pas sûr. Et mais DLH, c'est Lufthansa. Ah, ok. H201, mais lui il a pris à moi. Oh, yeah, oui. Mais il y a un certain Saga pour eux. Ouais, Saga, c'est DaVinci. Saga, c'est DaVinci. Salut, ouais. Ibrahima, ça va, mon cher Ibrahima John. Bienvenue. Écoute. Oui, dis-moi. Voilà, je dépasse 21 000 pieds et en ce moment, comme vous voyez, l'altitude de la cabine est à 6 700 pieds. Donc, nous pouvons mettre la ceinture de sécurité sur automatique pour que les passagers puissent se déplacer librement. Pour la Star, tu prends la 2R, ensuite pour la transition, tu prends Stat. Pour l'approche, tu prends ILS 0, 9, ILS Y. ILS 09 Y R, d'accord. Y, oui. 09R. Comme ça, okay, tu auras d'accord. Moins de soucis. Tu enlèves juste le hall de retard et puis tu auras un truc qui est correct. Tu n'auras pas beaucoup de visa. D'accord. Et nous étions sur la Benga, n'est-ce pas? Benga 2 Victor. Exact, Benga 2 Victor. Voilà. Benga 2 Victor, au lieu de Benga 2 Victor, tu prends Benga 2 R. Voilà. Romeo. Ok. Ah, c'est Benga 2 R, voilà. Vous voulez qu'on prenne deux Romeo? Mieux deux Romeo, comme ça on ne prend pas de transition. Ok. Ou bien Ali, on prend une transition. C'est Rita. Oui, la transition, c'est Rita. Bon, attends, je vais vérifier les waypoints qu'on a. Ouais, parce que ça devient bizarre. Non, Rita, voilà, c'est... Voilà, tu as vu, non, c'est parce que c'est ça. Mais tu prends parce que la V, c'est un vecteur.
Donc ça passe obligatoirement par le port de Niamey. Ok. Le port ne rend pas Yankee. Voilà, donc du coup, faut faire attention, faut pas prendre le vecteur, prends la, comment dire, la Romeo. La Benga de Romeo. Voilà, Romeo, oui, Benga voilà. De Romeo. Voilà, j'ai pris la Benga de Romeo. Voilà. Ouais, mais c'est un hold, hein, Ali, hein. Dans tous les cas, t'as un espèce. Enlève le... J'enlève quoi? De toute façon, on peut vérifier sur... Ah oui, j'enlève le hold, ouais, il y a un Rita hold, je vais enlever. Vérifier sur plan là. Ok, donc après Rita c'est RN 501, n'est-ce pas? Affirmatif, ouais. Comme ça t'enlève le hold. Oh, oui, oui. Compris, c'est ça. Voilà. Donc en fait, vous supprimez le hold, ouais, c'est ça. Voilà, donc c'est comme ça. Rita, il faut être à 2500. Voilà, donc j'ai enlevé le hold. Ok. Arita, c'est 2500? Affirmatif, je vois 2500 là. 2500 et plus, bien. De toute façon, moi, mon truc est à 3100, mais ça va, je suis ok. J'ai déjà enlevé le hold là. Ok. Pas d'attente. Voilà, donc moi, mon FMC est bien configuré. Je viens de le mettre en embarquement, regarde. Super Flyman 974 10 kilos sur 1000 aussi. Ok. Je ne vois pas. C'est réglé. Ok, c'est réglé. Ok, ok. Donc, okay. Je vais garder mes messages là. Ok, quoi d'autre? Voilà ce que j'ai dans le rôle. C'est Juvenile One. Ouais, Juvenile One me dit qu'il peut nous entendre, il peut nous entendre, mais il ne peut pas envoyer de message, je sais pas. Oh, ok. Moi, je suis en train de descendre à 23 000 pieds. J'ai déjà dépassé le VOR Oscar Golf du Ouaga. Tu as dépassé okay. Le VOR Oscar Golf du Ouaga. Ok. Oscar Golf, moi, ça me du dit Ouaga. Que... Ou de Ouaga, moi Oscar Golf, je dois dépasser à 35 000 pieds. Hein? Moi ouais, aussi, ah, aussi. Tu regardes le pied, tu regardes, c'est arrivé à Oscar Golf que tu dois entamer la descente pour aller à 23 000 pieds. Bon, ça non, dépend de moi, ta, ça dépend de ta descente. Hein? Ben, après moi, en tout cas, sur le plan de vol, c'est ce que ça dit. Parce que moi. Moi, après. Go, vas-y. Après OG, moi, j'ai Bulsa. Moi, à Bulsa, je suis à 35 000 pieds. Et à Banga, je suis en descente. À Banga, je suis à 26 700 à Banga. C'est ça, c'est bon. Il faut regarder ton plan de vol. Regarde. Ouais, j'ai regardé. C'est mon plan de vol. C'est sur ton plan. Ok, tu as arrêté. Regardez le profil au fil de la descente, de la montée, de la descente. Tu as bien regardé. Ouais, ouais bon. Qui monte, bon, je change pas le profil. Hein. Ce que j'ai dans le FMC, c'est ce que je conserve. Mais je sais qu'il n'y a pas de restriction. Ouais, je sais qu'il n'y a pas de restriction. Quand tu regardes la fiche, regarde bien ta fiche PDF, tu vas voir, quand tu dépasses les cartes devant et tu vas voir le profil. Ouais. Le profil, tu vas voir que arrivé là-bas, tu descends, tu maintiens 23 parce que voilà, je ne sais pas si c'est une contrainte d'altitude ou quoi, mais tu maintiens et puis tu continues à 23 jusqu'à Benga pour le faire. Ouais. Ça dit OG et ça dit tout ça. Le FMC, c'est selon le poids les et autres, parce que moi, je n'ai pas changé. Donc, mais ce n'est pas une restriction, donc ça va. Ben c'est pas, d'accord. Ce n'est pas une restriction. Donc, on fait comme ça. OK. Mais je vois la charte dont tu parles, je vois. Quand tu regardes en bas ton plan de vol, il y a des cartes, il y a le profil. Oui, je vois le profil. Voilà. Je vois le profil. D'accord. De toute façon, moi, je suis à 4000 pieds de mon altitude de croisière. Et moi, je suis à 25 000. Ok. Ça sera magnifique. Mon copilote dort parce qu'il avait oublié de mettre son baromètre sur standard.
Tu attends de lui donner un coup de pouce. Ouais, je lui ai donné un coup de pouce là. Je lui ai dit, hey, réveille-toi. Ok, l'ILS Yankee 9 droite. Mais les gars, j'ai un problème. Je ne vois pas le truc fantôme là. Il est où? Quel truc fantôme? Mais laisse le fantôme tranquille. Laisse faire avec les gens qui ne sont pas fantômes. Ah, je le vois, en fait, il n'est pas à 35 000, il est à 32 000 ou un truc comme ça. Ouais, c'est Juvenal One, il dit qu'il ne peut pas nous entendre. Il peut nous entendre, mais il ne peut pas envoyer de messages. Le gars me double alors que j'ai mon auto-speed de la télé. Hey, Juvenal One, il fait devant, rien que devant. Le FPS, sinon moi, je ne vois pas comment tout le monde te double. Toi, à chaque fois, on te double. C'est quoi ça? Non, mon frère, c'est ça qu'il faut prendre les pinces et les tournevis, tu vas vraiment après. Et Manfred, je viens d'avoir ton message, tu as pu retrouver le lien du stream? Ouais, c'est bon, nickel. Ok, d'accord. Je viens d'avoir le message là. Manfred, t'es déjà à top of the sun, hein? Oh ouais, Je descends en 2.30. Moi je comprends pas, chaque fois on me double, c'est ce qu'elle a fait. Si tu as un problème de FPS en fait, peut-être c'est genre, c'est un peu ça, Ali, s'il te plaît, il faut prendre le tournevis et la pince, il faut régler mon problème. Il n'y a pas de soucis, je vais brûler ton ordre. D'abord tu règles le smart copilot là avec le gars, mais après tu veux. D'accord, ça va. Les gars sont horribles déjà deux fois. Ouais. Mais avec nos tests, c'était magnifique hein, avec nos tests. Et voilà, les gars, je suis en croisière. Ouais, glottal. Et maintenant, je vais voir qu'est-ce que je peux faire en matière de vitesse. Ok, mon altitude optimale selon mon ordinateur de bord, c'est 36 400. Et mon niveau maximum peut être 37 200. Donc, avec ce niveau de vol là, je pense que sous peu nous allons prendre 37 000 pieds, nous allons faire un step climb et avec ce step climb nous allons espérer avoir pouvoir rattraper le temps. En ce moment nous sommes à 700 à Mach 0.78, et nous allons changer jusqu'à Mach 79 peut-être. Faut pas péter tes réacteurs en vol. Bon, mes réacteurs 86%, ça va. En croisière. Ah, d'accord. Ouais. Donc, je vais faire un step climb sous peu. Ok, dites-moi, c'est quelle librairie qui vous donne des soucis? CDB. CDB Undercore. CDB, ok. X-Plane 11. Vous avez vu, j'ai attrapé mon gars là. Je suis venu loin. Tu venais loin. Ah, tu l'as check. You got it. Yeah, I got it. Ok, la CDB librairie là, elle date de quand votre version? Moi j'ai téléchargé hier. Hein. Hier? Yeah. On a téléchargé hier ensemble avec DaVinci et c'était la dernière quoi, la final. Ah bon? Moi aussi, c'est la finale. Oui. Donc oui, peut-être qu'ils ont effacé quelque chose. Hein? De toute façon, je vous donne ma librairie. Oui. Attendez. Et toi, ton X-Plane ne te donne aucun message. Aucun message. How do I send this with it? Oh. Crap. J'avais oublié mon window heat là. Ça a commencé à fonctionner. Ça a commencé à Tu vois rien devant. Hey, merci beaucoup, mon cher Ibrahim. Hey, écoute, Devin, regarde en différé, ok. Avec toute pas la grave, grosse, on se rattrape plus tard. Que tu as créé, là, tu allez, mon cher, à plus. Il n'y avait pas le temps, il fallait vous rattraper. Quand même. C'est vrai, on comprend. Mais avec le vol d'aujourd'hui, on a eu quelques soucis techniques. Mais nous allons vous revenir avec un vol. Smart copilote avec aussi des contrôleurs. Bon, il y a des contrôleurs au sud là. Attends. Il y en a? C'est quelle région ça? Ça c'est Côte d'Ivoire? C'est la Côte d'Ivoire, on va passer juste.
contrôleur en Côte d'Ivoire. Contrôleur en Côte d'Ivoire, ok. Ok. Et c'est là où on devait aller, hein? Ouais, plus tard on ira en Côte d'Ivoire. Eh ben oui, pourquoi pas? On va aller manger à Tchéké. Comment se fait-il que moi je suis pas sur Maxime là? Ah bon? Bon, tu es là, tu es la RAM. Si, tu es la RAM 981, tu es là? Non, ça c'est moi. Non, oui. Ah, oui, c'est oui, tu es là. Oui, je suis derrière toi. Ça ne me montre pas sur sur Vaspy. Je te vois sur Vastatic, tu as 35 000 pieds. Sur Vastatic, pour la raison de l'utiliser. Oui, mais je ne suis pas sur Vaspy. Moi, j'utilise Vaspy. Ok. Ah, bizarro. Ok, maintenant, quand je prends mon numéro de vol. Voilà, maintenant ça me montre. Ouais, je vous vois, vous là, vous êtes devant là. Mon frère, on est toujours devant, vraiment, devant. Devant. Ok. Sinon, Ali est là-bas avec le tournevis, s'il vous plaît. D'accord, donc moi je monte au niveau 37 en ce moment. Niveau 370. Voilà, et j'exécute. Et aussi, ce que je dois faire, c'est changer. Il faut changer sur trois places, n'est-ce pas? La seconde place, c'est le système de régulation de la pression. Et enfin, le MCP. Et voilà, maintenant, je peux faire level change. Voilà. Et je peux commencer à monter. Allô, ça monte ou pas? Voilà. Ça a pris du retard là avant de monter. Ok, j'étais sorti là. Ok. Voilà, moi je monte sur 35 000 là. 35 000, ok. 37 000, pardon. 37 000. Ok. 37 000. C'est quoi ton ground speed là? Mon ground speed c'est 428. Et moi, toi? Je suis à 437. Ah bon? Tu vas me rattraper. Ah oui, ouais, je suis en dessous de toi, je te vois sur mon petit casque. C'est quoi ton coup d'index? 150. 150? Oui. Oui. Soit tu es beaucoup plus léger que moi. Les gars, pardon si vous me rattrapez encore là. C'est, moi, je vais éteindre. Mais yeah. Moi, mon coup d'index, c'est 150, hein? Ah, moi, c'était 36. Coup d'index 36? Yes, cost index 36. Ok. Wow. Et Saga, c'est quoi tes vents? J'ai 55 à 17 nœuds. 55 à 17 nœuds. Moi, j'ai 131 à 14 nœuds. Moi, j'ai 14 nœuds. Ça me vient de la droite? Ah, ça me vient de la gauche. Ok. C'est bizarre. Moi, j'ai 0,54 à 14 nœuds. Oui, moi aussi, c'est à peu près ça. Là, vous avez quoi comme... Vous avez la météo de Vatsim ou bien... I mean, de X-Plane. Moi, j'ai la météo de X-Plane. Moi aussi, oui. J'ai la météo de X-Plane en ce moment. Ok. Bon, je pense que je vais te voir. Il y a quelqu'un qui est en pleine descente, là, c'est tout ça. Tu m'entraînes? Je m'attends le 2.30. Ah, mais moi, mon top au descente, ça va encore devant. Hein. Je maintiens le 230 jusqu'à après Banga. Et voilà. Après, je vais prendre un autre. Pareil pour moi aussi, je maintiens le 230 jusqu'à après Banga. Là, je suis à 53 nautiques de mon top of descente. 53 nautiques de ton top of descente, ok. Et voilà mon cher, ouais. Maintenant ma vitesse au sol c'est 435. Ok. 436, 437. Au-dessus de moi, je te vois sur mon TECAS. 438, 439. Ok. Je vais monter aussi. Ah. 441, voilà. Et j'ai aussi mais augmenté. Qui va quoi faire quoi? Qui va arbitrer les atterrissages? Ben, le taux d'atterrissage, moi de toute façon je vous dis que... mon système de
comment dirais-je là, mon système de... Aïe, 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 aidez-moi les gars. Tout le SimKit Pro là ou Kit. Ouais, c'est pas SimTool Kit Pro là. Donc c'est le système qui note, c'est le système qui note mon atterrissage. C'est d'accord. Aïe, 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 c'est XGS Reloaded. De toute façon, moi je pense que des fois c'est pas exact parce que demandez à DaVinci hier, nous avons fait un atterrissage ensemble. Et son système a montré 90 et mon système a montré 230. Et quand je suis allé sur SimToolKit, SimToolKit avait montré 88. Donc c'était beaucoup. Donc ça veut dire que tous les systèmes ne sont pas aussi. On peut voir les passagers, Mustapha. Mustapha, attendez, je vais vous montrer les passagers. D'abord, il faut que je configure les passagers. Le visuel. Attendez, je pense. Attendez. Passagers. Voilà. Vous voulez voir les passagers? Voilà. Allons dans le cockpit pour voir nos passagers. Dans le cockpit, dans la cabine. Dans la cabine, voilà. Hé, hey, nous avons même pas fermé la porte de la cabine, là. C'est quel genre d'avion carapite, ça? Ça, c'est courant, ça. C'est avec Zibo. C'est le Drouni de... Voilà. Nous voici dans la cabine, voilà. Comment on appelle les taxis à Dakar, là? Les taxis qui font... Ah, les taxis là. Et ouais, le siège 2A, les gars là. C'est quoi les carapides? Vous voyez les passagers? Voilà, les carapides, oui. Le siège 2A avec le monsieur là, lui là. Hein? Hein? Ok. Le gars qui est avec la poule. Là, ça fait. Il n'y a que des gens en costume ici là. Qu'est-ce qui se passe là? La gola est jolie, hein, ça c'est cool. Elle ne porte pas sa ceinture de sécurité. Elle ne porte pas sa ceinture là. Attention, madame, elle est en direct. En tout cas, parlez pour vous là. Si on a nos chefs de gouvernement respectifs à côté de nous, vraiment. Parlez pour vous là, en tout cas. Lui, il met ce mec, ça veut dire qu'on se connaît. Voilà. Ok, moi aussi, je suis à 37 000 maintenant. 37 000, voilà. Donc, Moussafa, voici les passagers. Et voilà. Ah, c'est un vol un peu plein. Hein? Les gars, pour la fréquence ILS du Niamey, c'est 109 000. Et puis le cap, c'est 88. Hein. 99 et 88? Ouais. Ouais, pour le cap, ouais. Ok. Le pénage, voilà, on retourne, 10, on retourne 11, dans la cabine, là. 10-11 pour le moment. C'est votre dernier mot? Hein? Ils sont en train de regarder, oui. Austin. Dernier mot, pourquoi, là? Je ne savais pas qu'ils ont gagné des millions. Voilà, on retourne en cabine. Bien dans le cockpit, disons. Et nous allons fermer la porte cette fois-ci. L'altitude de décision, c'est 929. 929, d'accord. Ok, je vais mettre ça maintenant. 929. Ouais. 301, ouais, on a. Voilà, maintenant de retour en cabine. Voilà, et cette fois-ci nous allons fermer. C'est 930, hein, l'altitude de décision en ILS. C'est 9. Ok. Bon, 930. Voilà, nous allons fermer la porte de la cabine cette fois-ci. Voilà, ça y est. Voilà. Bon,
Bon, je vais faire pour moi, je vais mettre à 1000 pieds. Okay. Bon, altitude de décision, vous allez faire radio ou barreau? Moi, je fais barreau. Radio, c'est mieux. Radio, c'est mieux. Voilà. C'est plus précis. C'est plus précis? Ça dépend, ouais. Hein? Ça dépend. Non, 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 c'est plus précis radio parce que à côté de l'aéroport, quand tu descends, le terrain, il change pas. Voilà. Ouais, des fois, il y a des interférences, hein? Ça dépend. Moi, je prends barreau. Pour moi, c'est radio. Voilà. Et si ton radar marche, c'est bon. Mais des fois, il y a des interférences. Je sais pas s'il pleut ou quelque chose comme ça, là, pour le radio. Ouais, ben, je sais pas, tu sais, en fait, le problème du barreau, c'est que parfois, le QNH peut changer au moment où tu es en train de faire la prod. Ça peut te légèrement te... Ouais, légèrement. C'est pour ça qu'il faut toujours demander le QNH. Oui, c'est ça. Ah. C'est pour ça qu'il faut toujours demander le QNH. C'est quoi le visa dev de Niamey? Superflyman a dit, je me disais que j'avais entendu un craquement d'œuf. C'est le pilote qui a marché sur les œufs de la poule qui avait pondu. C'est pas mal ça, ma frère. C'est pas mal. Ouais, Enzo, les pilotes ferment toujours la porte de la cabine. Donc, avant, la porte de la cabine restait ouverte, mais depuis les événements du 11 septembre, malheureusement, ils ont dû blinder les cabines, les portes de la cabine, et maintenant ça devient une procédure de fermer les portes hermétiquement. Et il y a, je pense, 2 ans ou 3 ans de cela, je ne sais pas si vous vous rappelez d'un vol de Germanwings. Donc il y a eu un copilote qui a commis un suicide, et parce que la porte de la cabine était fermée, donc il a fait plonger l'appareil, je pense que dans les Alpes, malheureusement. Donc, À Barcelonnette. À Barcelonnette. Ouais, la porte, ouais, c'est. Donc, c'est pour cela. Donc il y a des inconvénients des deux côtés, n'est-ce pas? Donc, parce que si la porte est fermée. Ça, c'est un couteau à double tranche. Voilà, c'est un couteau à double tranche, voilà. Donc maintenant, les compagnies ont changé leur procédure. Il doit toujours y avoir 2 personnes dans le cockpit. Donc pour le cas de la Germanwings, le pilote était allé aux toilettes. Et quand il est sorti, le copilote a verrouillé la porte du cockpit. Et puisque c'est une Airbus, il ne pouvait pas tout juste faire descendre le joystick pour faire plonger l'appareil parce que les Airbus sont automatisés. Et ça va dire non, 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 et ça va essayer de soulever le nez. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a abaissé l'altitude de disons 37 000 pieds jusqu'à 100 pieds. Donc le pilotage automatique a commencé à descendre graduellement jusqu'à 100 pieds, jusqu'à ce que l'appareil ait heurté une montagne, malheureusement. C'est tragique quand même. Ouais, le pilote était hors de la porte et était en train de dire « ouvre la porte ». Le gars, bon, il était un peu désorienté, il était malade mental. Il a commis un suicide, il portait, je pense, une trentaine de personnes avec lui. Voilà, toujours à 37 000 pieds. Mon progress page me dit que 18h58, heure d'arrivée pour moi. Et pour vous, les gars? Ok, moi c'est 19h04, donc toi tu seras juste après moi. 18h. C'est quelle température à Niamey, s'il vous plaît? Niamey, température? Attends. 33. 33 degrés. Ouais. UNH toujours 1011, hein? 1011, oui. 1011, Afrique. Oh, j'ai dit. Ooh, nice. Moi, mon arrivée, c'est à 18h16. Hein? 18h16? Oh. Oui, 18h16. Wow. 18h27. Ok, so DaVinci, we got a choice here. Bon, on va accélérer. On peut accélérer, so Alt-T. Il faut aller. Aller à Mach 2.1. Non, non, non. Nous allons accélérer le taux de simulation. Le frame rate. Ouais, donc Alt-T.
Moi, je vais accélérer sur... Ça, est-ce que c'est permis sur le backseat? C'est pas vrai. C'est permis pour les longs vols, mais de toute façon, nous ne sommes pas contrôlés. Donc moi, je suis Alt T, je suis en 16 fois ground speed. Oh, j'ai jamais utilisé ça. Juste fais Alt T. Et juste avant notre descente, continue d'appuyer sur Alt T. Non, 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 nous allons pas vous devancer, donc nous allons maintenir un certain écart. C'est tout juste pour qu'il n'y ait pas. C'est tout juste pour qu'il n'y ait pas un grand écart. Beaucoup d'attente. Donc on pourra tous atterrir dans, par exemple, une fenêtre de 10 à 20 minutes. Une fenêtre de 10 à 20 minutes. Je suis à Gupov maintenant. Voilà, moi j'ai dépassé Gupov, je suis à Oak right now. De toute façon, on va tout juste. Nous allons pas doubler. Comment on va désactiver ça? Quand tu fais Alt T encore, ça va arrêter. Ça va pas aller sur 32 là. Donc je pense pas. Donc de toute façon, dès que tu vois ton top of descent, tu peux t'arrêter. Hein. Ok. Parce que nous devons les configurer. Non, on va pas doubler. Ok, moi j'arrête mon truc là, ok? Ok. Voilà, moi je suis à vitesse normale maintenant. Et je vais vers Bursa. Ok, je suis à OG maintenant. Voilà, moi je me dirige vers Bursa. Le problème c'est que avec accélération de temps, le problème c'est que vous voyez comme nous sommes hors trajectoire. Je viens de rater la trajectoire là. Mais non, dès que tu sors de ça, ça va se rattraper, t'inquiète pas. Je vais faire un direct. Thank you, dear. Je vais venir vers Bursa. Voilà, moi je suis à Bursa là. Voilà, moi je me dirige vers Bursa. Tu te diriges vers Bursa? Non, moi je suis derrière toi, je vais vers Bursa. Oui. Attends, je vois un appareil à 200 pieds. Roland, t'es sûr? Oh, je suis toujours. Moi, il y a en tout cas Juvenil qui m'a dépassé. C'était lui qui était ça. Oh là là, pourquoi on fait ça? Pourquoi toujours toi? Non. Mais c'est pour ça que je t'ai dit, prends le tournevis et la pince, il faut qu'on gère ça après, vraiment. Pas de soucis. Attends, on dirait que. La 981 n'est pas loin de moi là. Ah, les gars, vous êtes rapprochés. Je vais faire la campagne. Oui. Moi je te vois pas sur tes cases là. Moi je te vois sur tes cases, tu es à ma droite là. Attendez là, je vais. Tu es vers Bursa. Tu me vois sur tes cases maintenant? Oui, je te vois. Parce que j'ai mon transpondeur éteint. Tu me vois sur tes cases? Non. Plus maintenant? Non, plus maintenant. Voilà, maintenant mon tes cases est rallumé. Oui, je te vois. Regardez. Oui, tu es à la 35 nautiques de moi. Hein. 35 nautiques devant toi, bon, il faut maintenir. Bon, je te vois derrière toi. Bon, je te vois derrière. Voilà. Ok. Donc, ok, les gars, maintenant, il faut préparer la descente. Donc, je vais abaisser l'altitude du MCP. Bon, nous ne sommes pas contrôlés. Je vais directement sur 3000 pieds. Voilà. Freinage automatique, niveau 2 aujourd'hui. Et pour notre atterrissage, 66.3 est prévu comme poids d'atterrissage, INITREF, pardon, 66.3 pour poids d'atterrissage. Nous allons prendre volet 40. Moi, j'entends plus personne ici. Hein. Vous êtes là, les gars? Oui. Oh, ben, oui, on est là. Ok. Voilà, là, 109,90 pour l'ILS. Nous allons configurer l'ILS sur la 109,90. Donc, balance. Même chose pour. Nav 2.
on balance. C'était quoi le cap? 88. 88 comme cap. Voilà. 88. Voilà, 88 de mon côté. Et 88 du côté du copilote. On va arriver, il fera petite nuit. Oui. Yo, what? After Benga intersection, leaving flat level 230, descending to 2500. C'était Flyman qui disait ça. Ça, c'est le fantôme. Donc là, j'ai réduit la vitesse. À 2000. Oh. Voilà, maintenant mon heure d'arrivée c'est 18h42. Oh, attends, je vois. À 79 nautiques de l'aéroport. Moi aussi, hein, c'est 18h42. Ah bon? Ouais. C'est sûr je, suis à, je suis à 181 nautiques. On aura le temps d'aller manger et puis on va revenir. Oh oh. Un problème de carburant là. Pompe à kérosène centrale éteinte. Nous avons tout consommé. Oh, moi j'avais même pas mis ces pompes là. Je pensais que c'était vide. Tu as quel ground speed actuellement? 447. Ok, tu as 430. C'est bon pour le moment. Et les gars, flyby. Yes. Magnifique. Là, vraiment, c'est ce qui est. Vraiment, là, hey, l'atterrissage va être chaud. Ah ouais. Dis-moi, Roland. Yes, sir. Ton transpondeur, il moi, est allumé? Je suis presque en approche finale. Yes, sir. T'es sûr? Wow. Yes, sir, sur T-A-R-A. Parce que je te vois pas sur tes casses, hein? J'étais encore loin de lui. Hein. Ah bon? Tu as dépassé Banga, Roland? Oui, je descends. Et tu as dépassé Benga? Non, je suis à 11 nautiques de Benga, 11.5. Ok, moi je tourne vers Bolsa là. Moi je suis à 54 nautiques de Benga. Moi je suis à 86 nautiques de Benga. Et bon, mon top of descent c'est. Mais moi mon top of descent arrive. C'est à 57 nautiques. Ouais. Moi je descends. Là. Ok, donc maintiens ta vitesse, hein. Sinon je vais te rentrer derrière. À quelle distance je pourrais te voir? Voilà, un peu d'éclairage. Et... un peu sombre. Voilà. Il y a quelqu'un qui s'approche de la rivière là. Mustapha, la traînée blanche, bon, je sais pas, peut-être que à cause de la moisissure. Moins cher, c'est moisissure, n'est-ce pas, du 20? Je pense à moi. Bon, je vais vous dire une chose, les gars, par rapport à ma chaîne YouTube. Bon, j'étais un expat, ça fait presque 19 ans maintenant, et j'ai pas l'opportunité de parler français. Du tout, du tout. Donc,
la première raison pour laquelle j'ai créé une chaîne YouTube, c'est d'avoir une interface pour pouvoir revenir à mon français, n'est-ce pas? Donc, parce que quand je parle pas Wolof, je parle anglais. Tout le temps. Français, d'habitude, hors de cette communauté, je ne parle pas du tout français. Donc, des fois, je peine à trouver mes mots. Pareil pour moi. C'est pour ça qu'il dit l'atolis. Qu'est-ce que tu veux que je dise là? C'est on vrai, dit, on dit le. C'est le tolis. C'est la même chose. Qu'est-ce, le tolis, la tolis. Bon, qu'est-ce qu'il dit que... Il dit, tu as pris une 737. Moi, je suis là, j'ai dit, ouais, ah, mon frère. Vous dites un 737? Ben, dis donc. C'est un avion. D'accord. Touchez, les gars, touchez. Et pour les Airbus, on dit quoi? Un Airbus, ah bon? D'accord. Oui, un Airbus, oui, un avion, Airbus, c'est ça. D'accord. Bon, de façon, comme je vous l'ai dit, c'est pour perfectionner mon français, là, parce qu'il faut qu'on retourne au pays, hein. Les gars, il faut retourner, hein. Air Sénégal nous attend. Je ne veux pas retourner au pays sans pour autant pouvoir parler français couramment, là. Ah oui. Voilà, donc mon cher, je pense que pour la traînée blanche, donc avec les nuages et la chaleur dégagée par les réacteurs, je pense que c'est pour cela. Mais je suis pas sûr, hein, mon gars. En fait, je crois qu'il est juste en dessous de moi, là. Ok, les gars. Probablement, ouais. Donc moi, je m'approche de mon point de descente, je suis à 2 nautiques. Faites attention avec l'ILS, si vous quittez la scène, il n'est pas trop aligné. Oui, c'est pas aligné. Voilà. Bon, il faut être visuel, hein. Donc voilà, donc il faut être visuel. Faites l'appareil a commencé sa descente pour moi et je peux voir devant moi, il y a un appareil là sur mon côté gauche. Donc voilà. Non, et maintenant, ça doit être moi alors, c'est moi que tu vois. Ouais, je peux voir des lumières clignoter là devant moi. Sinon, il y a un grand embouteillage entre Juvenile et Manfred et moi. Ça va, ah bon? Vous allez devoir maintenir vos vitesses, hein. Réduisez vos vitesses derrière. Ouais, tous ceux qui sont derrière doivent réduire leur vitesse et comme ça on se régule, quoi. Ok. Je vais passer les 10 000, donc moi aussi je vais réduire à 240. Parce que si on essaie de faire des go-around, ça va chauffer là. Ok, bon, j'ai réduit à 280. Donc pour le moment, tu peux maintenir ta vitesse, toi, Saga. Je m'approche de toi rapidement. Rapidement, ah bon? Oui. Ah oui, ça n'est pas loin de toi. Hein. Maintenant, tu as combien? C'est 25 nautiques. 25, ouais. Tu dois avoir beaucoup plus de FPS que moi. Ah ouais? Moi, je suis à 38. Mais c'est ça qui a 150 FPS. Là. Parce qu'il a une bête de guerre, n'est-ce pas? Oui, on dit. C'est une machine de combat, c'est même plus de guerre. Ouais, j'espère que ça va durer quand même. Au moins 5 ans. Ibra, je vais ralentir un peu, sinon je vais taper quelqu'un qui est en face. Et moi, le problème, c'est que je peux pas te voir sur tes casques. Donc, je sais pas où tu es. Je suis visuel. Je peux voir un appareil visuellement, mais je t'ai pas sur tes casques. Pourtant, mon transporteur est allumé. Hein. Bah, bien, c'est sûr. Squat box, là. Il y a pas... Non, c'est Squawkbox. Peut-être que Squawkbox ne peut que me montrer les appareils qui sont à une vingtaine. J'ai pas configuré. Bon, j'ai pas été sur Squawkbox depuis longtemps. Peut-être que ça me montre que les appareils qui sont à une vingtaine de nautiques de moi. Peut-être. Oh là, je vais dépasser mon fait. Ok, je vais ralentir. Parce que quelqu'un a atterri. Hein. Qui a atterri? C'est moi. J'ai atterri. C'est moi. C'est quoi ton taux? C'est quoi ton taux? Capture d'écran, capture d'écran. 139? Fais une capture d'écran et envoie pour la preuve. Capture d'écran. D'accord. J'arrive, mais écoute, je ferai comment? Je fais. Le truc est déjà parti. Majuscule. Non, pas ça. Le truc est parti. Bon, tu peux faire un replay après. J'envoie le ralenti. Attends, je veux renvoyer le ralenti. Comme ça, je fais une capture d'écran. C'est tout. Je fais ralenti, je fais capture d'écran. Et les gars, les ralentis, d'habitude les ralentis, les taux d'atterrissage sont beaucoup plus bas. Hein. Ah, bien sûr.
Mais là, c'est 139. Hein. 139, oh là là, mon cher, 139, ouais. C'est du beurre, hein? Ah ouais, ben 139. Eh ben, n'oublie pas que c'est chez moi. Et chez toi? Je fais ça après tout. Donc, tu dois gagner la coupe, n'est-ce pas? Voilà, non, je fais ça après tout. Non. Mais le problème avec les LS, comment on va résoudre ça? Parce que... Ouais, les LS, visuel. C'est du tout. Oui, il faut être visuel. Dit ça. Heureusement, avec le balisage de la piste, ça va t'aider. Avec le balisage, tu verras des lumières. Ali, Ali ne fait que couper. Lui, si tu ne coupes pas les voies, là, lui, ça n'a pas. Il faut couper. La scène que j'ai faite, c'est aligné avec les images. Une tour qui trône ne détecte pas. Appareil. Ouais. Oh, Sim Toolkit Pro ne détecte pas ma phase de vol parce qu'on a redémarré 15 fois. Donc je suis en descente, n'est-ce pas? Je te vois à 10 000 pieds en dessous de moi. Voilà, est-ce que nous avons des informations Sim Toolkit Pro maintenant? Non. La barre. Parce que la barre de vol dit que. Non, il n'y a rien, ça va toujours zéro. Attends, je ne te vois plus, hein. Tu as désactivé ton TKS là. Non, peut-être que je suis devant toi. Bien devant. Ah oui, quand tu es en bas là, oui, plus de 10 000 pieds, je pense que ça disparaît quoi. Oui. Toujours pas d'informations Sim Toolkit? Négatif. Négatif toujours. Ok, une seconde. Et maintenant? Ça vient. Ça doit venir maintenant là. Attends deux secondes parce que entre ce que tu dis et le stream, il y a un petit temps de latence. C'est zéro toujours. Ah non, c'est zéro toujours, hein, il n'y a rien. Vraiment. Moi je. Mais attendez, il faut faire vite parce que là maintenant il n'y a plus de vent. Sous le Sinu, il n'y a plus de vent. Il n'y a plus de vent. Profitez-en. Il n'y a plus de vent. Il faut pas trouver d'excuses, hein. Profitez-en, il n'y a pas de vent. Donc profitez-en, il faut vite venir. Voilà, maintenant je vois sur le stream que la barre Sim Toolkit est partie. Maintenant c'est, ça y est. Ça me dit que je suis à 10 minutes de l'atterrissage. Oui, je vois ça maintenant. Oh, j'ai taux de descente de 4700. On maintient 240 pour la vitesse. Mais moi, je suis à 200, moi je suis à 290, hein, mais je suis haut. Il faut que je ralentisse. Je suis en train de réduire encore là, à 180 pour la dernière. Oui, c'est correct, 180 tu devrais. Hey, salut Kyrillos, peu importe si tu es sur P3D, tu peux aussi voler avec nous. Hein. Même il y a un de nos compagnons qui est aussi sur P3D, Juvenal One, la mine, il est sur P3D. Donc c'est tout juste... L'essentiel, c'est de se connecter sur le réseau de VATSIM et puis de rejoindre le serveur vocal sur Discord pour être avec nous. Voilà, donc je vais prendre la vitesse en main, les gars. Je réduis jusqu'à 260. Donc je vais déployer. Moi, j'ai des problèmes avec les speed brakes là. Oui, c'est ça que j'allais demander. Ça a dit armed, mais... quand ça déploie là. J'ai déployé les speed brakes, mais en ce moment j'ai toujours des soucis là. Mais les speed brakes, moi ça marche super bien chez moi. Non mais moi quand je les déploie, ça veut dire ça dit tout juste que c'est armé. Oui, mais moi aussi ça n'envoie pas. Mais il faut faire ça manuellement, il faut tirer. Ou tu coupes ou tu tires. Dans tous les cas tu coupes. Ouais, avec la souris ça dit avec la souris tu tires. T'approches vraiment de moi. Attends. Okay. Voilà, nous avons notre prof de français. L'eau ici, moisture, humidité, traînée, c'est la traînée de condensation. Voilà. Ouais. Merci beaucoup, l'eau ici. Humidité. Alors, je suis en finale, longue finale. J'ai la piste en visuel avec un peu de nuage. Ok. Ben, je te vois, tu continues. Ok, moi il faut que je cherche mon cher Roland là, je peux pas le voir du tout sur tes casques. Et Manfred, au fait, par rapport à la piste, elle est allumée ou pas? Par rapport à ton élève.
suis pas en ligne les gens. Oui, c'est-à-dire, elle n'est pas alignée. Elle n'est pas alignée. Non. Ah oui, lui, là, je m'entraîne d'abord les Hernas. La nappe est alignée. Je sais pas comment on peut changer ça. Ouais. Ouais, ouais. Et moi j'ai des soucis avec mon altitude là. Moi je suis à 23 000. Je suis très haut par rapport à mon profil vertical. Ça y est, piste en visuel. Ok, je vais prendre vitesse verticale. Je vais descendre à 3200. Voilà, j'arrive les gars. Ok. Mais il y a quoi, Niamey? Il y a la poussière ou quoi? Je ne vois rien. Il n'y a rien, il n'y a pas la poussière, c'est ta carte graphique qui fait, c'est pas. Il faut revoir la météo de Niamey. Hein. Avec mon profil vertical là, je suis à haut de 3000 pieds. Oh. Et vous savez, je plonge. Ah, c'est un problème ça. Ah ouais. Mais je plonge. Les gars, vous êtes en push to talk ou pas? Moi je suis pas en push to talk. Moi je suis en push to talk. Moi je suis pas. Hein. Moi j'ai même pas pu. Il m'a dit il faut me mettre en push to talk. J'avais. Moi je suis pas sûr que les speed brakes marchent les gars. Tu as regardé hors de la fenêtre, je peux voir que ça marche, mais je suis pas sûr que ça marche hein, parce que quand je regarde marche, dehors. Ça marche, moi je confirme. Ça réduit. Non, regardez. Voilà, maintenant ça me dit que ça marche. Et ça devrait. Voilà, marcher. Maintenant ça marche. Mais c'est armé. Oh. Cabin crew ready for landing, please. Moi, le problème, c'est que je te vois pas, mon cher. Pardon, il faut pas me dépasser, j'ai tout ce que je peux. Mais je sais pas où tu es, donc je peux pas t'éviter si je te vois pas. Faut pas atterrir sur ma tête, pardon, pas Niamey. Voilà, je suis à 10 000 pieds, les gars. Faut demander à Ali de faire le contrôle. Il est là-bas. Voilà, je vais amortir mon taux de descente pour pouvoir normaliser ma vitesse. Continue. La 9R. Continue, oui, la 9. La 9, gauche. Celle qui est à ta droite. Voilà, right, flaps out, landing. Et n'atterris pas sur le taxiway comme j'ai fait hier. Et au test de l'air, préparez la cabine pour l'atterrissage, merci. Moi je suis à 240 hein, vitesse. Voilà, moi aussi, je suis à 240. Bon, 7000 pieds. Non, Ibra, tu es loin derrière moi, je te vois, tu es loin derrière. Donc c'est pour ça que je te vois pas sur tes casses. Affirmatif. Voilà, je dépasse 9100 pieds. 1011 hein, Niamey le climat. Manfred. Oui, c'est 1011. Manfred, t'as atterri? Ouais, j'ai atterri. Tout d'atterrissage? Attends, je te dis ça, je sais pas. Ouais, là aussi, il y a aussi une prof français. Hein. Il faut remonter la piste ou pas? Ok, je peux voir l'aéroport tout droit devant moi. Il faut remonter la piste, tu remontes
Tu remontes devant jusqu'à la fin au bout de piste, tu vires à ta droite. Et attendez, attendez, vous allez évacuer la piste là? C'est impossible les gars, c'est impossible, il faut revenir en bas. Attendez, parce que moi non, il faut pas non, me. Non, il faut non, que je ralentisse. Non, on a fait la mise à jour. Si tu fais la mise à jour, il n'y a pas de bâtiment. Tu fais tout il y droit. Y a un qui vient de faire moi de vrai, j'ai fait ça. En tout cas, évacuer la piste là, parce que moi j'ai pas de frein. Vas-y tout droit jusqu'au bout, comme ça tu vires à droite, tu évacues, voilà. J'ai la rame 738 devant moi, s'il vous plaît. Rame 738. Identifiez-vous, merci. Yo, Saga. Oui. Je ralentis jusqu'à 210 parce que les gars, là, ils ne me rassurent pas. Backtrack ou pas, là, ils ne me rassurent pas du tout. Bon, entre nous deux, il y a toujours 30 nautiques, donc ça va. Donc, je suis à... Maintenant, je m'approche d'une quinzaine de miles nautiques de l'aéroport. Je vois deux lumières qui s'approchent. Ah, c'est moi. T'es où là? T'es où? T'es où Roland? Ça va être chaud les gars. Après, on va monter. Là je suis à 1000. Il y a un qui est devant moi en tout cas. Je allez, remonte la tête. Non mais il n'y a pas de collision. Mais vas-y, mais qu'est-ce que tu fais? Tu reviens sur le même truc. Mais pas. Qu'est-ce que tu fais? Ah, je reprends. Ok. Tu, au lieu d'aller tout droit, tu sors au bout de la 27 et puis tu. Mais les gars, il y a deux avions devant moi. Et là, t'as pris le. Devant où ça? Tu es en train de descendre maintenant. Il y a pas de. Il y a un qui a fait go around, l'autre a fait. Continue, tu remontes. Qui a fait un go around? Ah bon? Rame 738. Félicitations, s'il vous plaît. C'est Juvenal. Juvenal a. Oh, il est tout juste devant lui. Hein. Juvenal a fait un go round. Oui, puisqu'il y a quelqu'un sur la piste. Ah non, je dégage. Qui est sur la piste là? C'est Manfred? Oh non, il dit qu'il a dégagé. Manfred, tu as dégagé? Ah bah oui. Ok, Roland, tu as dégagé? Oh. Parce que moi, je viens en finale là. Hard landing. Ok. Allez, dégage. Peu importe, dégage. Parce que moi, je vais être en finale sous peu là. Oh. Voilà, je suis à 190 et maintenant je vire en finale. Oh. Il me reste deux virages comme ça. Voilà. Ok. Quoi, là, pour les 1. Vous avez fait quand la mise à jour, les gars? Il faut nous donner. Il faut nous donner la mise. Pour la tête. Mais Divinci a envoyé le lien des gars. Bon, oh, lui, il n'a pas. Il n'est pas reçu, moi. Ah bon? Je suis obligé de faire comment? Voilà, volet 5, les gars. Lampe d'atterrissage 5, okay, allumé. Lampe de taxi allumé. Ouh là là, je le vois vite. Qui ça? Moi? Toga, oui, je te vois. Ah, tu vois, je te dis que je suis en approche finale là. Oui, oh, allez, c'est pas une blague. Je fais vite. Je suis déjà à 70. Vite. Ok, il y a un problème. Ok, je vois deux pistes là, les gars. C'est celle de droite, celle de gauche est fermée. Tu penses? Ok, d'accord, ok. Ouh, d'accord. Right. Et sortie de piste vers la gauche ou vers la droite? Sortie de piste vers la droite. Vers la droite. Ok. Vorlock. Bout de piste vers la droite. Oui. Voilà, Vorlock aligné. Tu as 2500 pieds, comme vous pouvez entendre. Comme un bi. Je suis sorti. Les gars, j'aurais bien préféré être manuel là, parce que j'aime pas ce que je vois. Faut pas suivre le localizer là. Ouais. Ok, je vais être manuel. Ok, train d'atterrissage. ABC, flaps 15. Déjà, okay, je suis instable là. Runway evacuated. Flaps 25. Ok, les gars, je prends les choses en main. Je déconnecte. Moi, je suis à la porte. Ok, j'ai déconnecté, les gars, parce que j'aime pas ce que je vois. Pas du tout. Emmanuel là. En tout cas, nous on a dégagé. On a dégagé. Flaps 40.
Voilà. Ok, je suis manuel. Oh, ok, voilà. Flaps 1. Landing checklist, train d'atterrissage et ABC, freinage automatique niveau 2, aérofrein armé, volet 40, landing checklist completed. Regarde, vous êtes là ou pas? Non, je suis là. On est là. C'est la concentration totale là. Bon, ils ont fini. Nous, on a atterri, donc on ne sait pas. Ah bon? Mais j'ai fait un hard landing. Hard landing. Ok, 1000 pieds. Stabilize, Mr. Burchell, suit set. Je suis là sur le. Au parking, port 5. Right. Moteur coupé. Ok, 9 droite confirmé. Parking, port 6, moteur coupé. On attend pour le prochain. Fight slow. Roland. Oui, mon ami, oui. Je t'ai rejoint. Là, il faut aller à la fin. Maintenant, là, t'as dépassé. Voilà. 80 knots. Vas-y, mais là, c'est moi. Je pas carré là où bah, c'était là. C'était horrible, mon cher. Tu fais la 7. Tu fais la 7. Voilà. Vas-y, devant. Tu fais la 7. Oui, à côté de moi, il y a de la fin. Ok, on sort vers la droite, n'est-ce pas? Pas devant, tu finis le prochain. Pas devant. Non, c'est bon, je vais mettre à la droite. À ma gauche. Je te mets pas à ma droite, là, tu te mets pile poil là où je suis. Là, t'entends, tu te mets pile poil là où je suis. Voilà, va devant, comme ça tu iras à droite. Ok, ça sort par là. J'ai raté l'atterrissage. Ouais. Gravement même. Ouais, tout droit tu vas. Oh là là. Moi, je vois rien là ici. Qu'est-ce qui se passe là? Je vois rien ici. Il faut que tu fasses un backtrack. Mais vas-y tout droit. C'est loin, il n'y a que deux sorties. Et puis les gars, tu continues, non? Quand tu vas, prends pas le prochain taxi, tu continues tout droit. Comme ça, tu vas aller. Il n'y a que deux sorties, non? C'est sûr? Voilà, tu piques tout droit. Vers la fin de la piste, n'est-ce pas? La fin de la piste, tu vires à droite. La fin de la piste, tu vires à droite. Tout droit. Ok, Saga, t'es où là? Je suis à retard almost. Oh, retard, ok, donc je peux évacuer. Maintenant, tu peux virer. Roland, toi, vous avez vu l'atterrissage terrible là? Mais non, pas moi. Tu as pu sortir de l'autre côté de la piste? Ouais, maintenant je sors, oui. Ouais, va tout droit. Ah, donc il y a une raquette devant alors? Eh, pas. Tout au fond de la piste. Il faut aller vérifier. J'ai dû évacuer par l'autre bout de la piste 27. Oh. Au bout, c'est ça. Tu vas à la 27. Gauche, alors, tu vas à gauche, pas la droite. Non, par la droite. Non, la droite, pas la gauche. La droite, par la droite. Par la droite, oui. Par la droite. En tout cas, c'était pas du tout bon cet atterrissage. C'était pas ce que tu voulais. Pas moi. Attends, je vais voir de l'autre côté qu'est-ce que ça donne, Sim Toolkit Pro. Ok, vérifie. Complete flight. Ok. Sim Toolkit Pro. Ça va être meilleur que pour moi. Non, il faut être avec Sim Toolkit, c'est la même chose. C'était 400. Sim Toolkit Pro a dit 450. Et
Ouais, c'était 444 comme affiché, c'était horrible là. Il ne doit pas faire quelque chose de mieux, hein. Bon, on va voir avec ma manette là. Ouais, maintenant je vois deux appareils sur TECAS. J'en vois... Au sol ou bien? Non, je vois un appareil qui est à 1800 au-dessus, un appareil qui est à 2800 ou 2700. Je suis à 2500 pieds actuellement, voilà. Je suis presque à retard on final. Voilà, donc nous pouvons mettre l'APU en ligne. Ok, I have the runway in sight. Ok, je pense que je peux te voir en approche finale là. Ouais. Minutant et tout. Bon, avant d'oublier, je vais éteindre mon transpondeur. Je mets sur Alt On. Voilà, comme ça les autres appareils ne vont pas me voir sur leur TECAS. Ok, je vois quelqu'un prendre le taxiway là. Moi, je suis sur le taxiway tout droit devant. Oui, toi donc. Et je peux te voir en approche. Bon, j'ai pas mis l'approche là donc. Ouais, moi, l'approche est très, 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 très décalée même. Très décalée. Oui. Yep. Mais en AirNav, ça passe clean. Ouais, parce qu'on a fait ça hier en AirNav, c'était magnifique. Ouais. Bon, je vais faire ça. Tu vas faire quoi, AirNav ou bien ILS? Bon, j'ai déjà mis le ILS, donc je vais descendre jusqu'à 1900 pieds, si tu veux ça, non, 930. Ok. Regardez-moi le terminal, c'est magnifique. Hein. Je peux voir la KQA, je peux voir la Turkish. Ok, on va voir avec ma manette de Xbox là comment ça va se passer. Lampe, strobe lights éteintes. On doit éteindre les strobe lights après atterrissage, les gars. Ok, before landing checklist. Celui qui a fait l'aéroport, franchement, chapeau. Hein. Oh, merci. C'est la première fois que j'atterris dans ça, donc on va voir. C'est Devinci, c'est lui qui a fait l'aéroport et puis il risque de rater son atterrissage. Ça va être chichi quand même. C'est pas sérieux. Ça va aller, ça va aller. En tout cas, pour le moment, il n'y a que le Nigérien qui a pu assurer. Hein. Il dit que c'est mon aéroport, hein, faut que j'assure. Combien? Le AT-982, c'est dit. Ça, c'est vrai, il faut que j'assure. C'est un c'est moi, c'est moi. Le AT-982, voilà. C'est dit. C'est vrai que virtuellement, je suis à RN-501, donc je commence tout. Hein. Je vais suivre le glide slope. Alors, vous avez fait combien? La rampe qui se parquait, c'est moi. Ok, je désengage pilote automatique. Là. Tu as la nouvelle mise à jour Ibra, moi j'ai fait 139, oui. D'accord, je t'envoie ça direct, il n'y a pas de soucis, je t'envoie ça direct. Le lien quoi, le dernier lien. Bon, si j'étais en train de vous envoyer quelque chose, n'est-ce pas? J'étais en train de vous envoyer la CDB library, n'est-ce pas? Je suis haut. Ah oui, j'ai oublié quelque chose, j'ai oublié de mettre les papilles, je ne sais pas s'ils ont ça en réalité ou... Bah, peut-être les mamies, mais les papas. Il n'y a pas les papis sous la 09. Ah bon? Il n'y a pas de papis. Il n'y a pas de papis. C'est sous la 27 qui a les papis. Il n'y a pas de papis sous la 09. C'est sous la 27 qui a les papis. Il y a les papis. Ok, je vais mettre ça. C'est sous la 27 qui a les papis. D'accord. Sous les 27 qui a les papis. Il y a la rame terrible. Ensuite, il y a des petits trucs que j'ai dit, je vais t'envoyer. Je vais prendre les photos. Parce que depuis lors, je n'ai pas été à l'aéroport. Je prends les photos. D'accord. Ok. C'est la première fois que je vole en Afrique. Première fois, super, bienvenue en Afrique, mon cher. Hein. Bienvenue en Afrique, my friend. Maintenant, ça arrête sur Ouaga, on va t'amener à Ouagadougou. On va t'amener à Ouagadougou, mais moi je vais changer l'heure de mon simulateur. Hein. Oui, il prend à gauche là. Je peux pas prendre à gauche parce que t'es là-bas. Comme j'aime le direct, je préfère continuer comme ça avec l'heure réelle. Ah bon? Ouais, c'est bien, ouais. Il n'y a pas de soucis, c'est plus fun. Hein. C'est plus fun. En fait. Ok, donc je laisse comme ça. Ah voilà, c'est plus fun. Fais ça comme ça. J'ai pas d'air de stationnement. Hein. Il y en avait avant, je sais pas pourquoi tu cherches un peu. À Niamey, là, il y a. Ok, j'en ai, je prends la 7. Non, il y a beaucoup. Non, je prends la 7.
pas de franc, prendre la 7. Ok, moi j'ai presque là. D'accord, c'est bon, c'est à côté de moi là. Ouais, je prends la 7 là, à côté de toi. Mais toi là, tu as tes landing lights allumés là. Il faut éteindre tes lampes. Pourquoi? L'autre là, non. Ok. Ali, éteins tes lampes. Ah, d'accord, ok. Ouais, éteins tes lampes, Ali. Attention. Flair. Oh, c'est smooth, ça, c'est pas mal, attention. J'ai un problème avec mes throttles. Il y a notre cher ami De Vinci qui est en train de partir, les gars. Je crois qu'on va assister à un tango. Mais freine, mon frère. Non, il est en train de partir. Ah, c'est voilà. Pas, j'ai un problème avec mes throttles, là, ça ne réduit pas, quoi. Le fleuve est où? Allez, où est le fleuve là-bas? C'est de l'autre côté. Mais qu'est-ce qui se passe là? C'était chaud, tu as dépassé le fleuve, c'est pas savoir. Non, j'ai bien atterri, j'ai pas pu réduire. Il n'a pas pu s'arrêter. Tu as passé le fleuve en fait. Et ça continue toujours. Hein. Juste après l'étage, tu déroules le fleuve ensuite et atterris. Ciao, comme voilà. C'est ça. Ali, comment s'appelle le village, s'il te plaît, après la piste, je sais pas combien là? Le quoi? Le village. Le village après la piste, après quelle piste? Après la 27, il y a quoi comme village? Après la 27, c'est pas un village, c'est un quartier, ça s'appelle village. Voilà, réacteur 1 éteint, réacteur 2 éteint. Salut Sami Tumba, ça va bien? Ok. Kirillos, non, moi j'en connais pas des scènes P3D. Peut-être que. Comment est-ce qu'il s'appelle? Lamine, si tu es là, vous nous donnez. Des liens pour les scènes P3D. Sur YouTube, il y a Cyril Kirillos qui demande. Ali, tu peux me donner, s'il te plaît, la DRRN. Oh my god. D'accord, tout de suite. Voilà. Ok, les gars. Perdu De Vinci est parti. Eh ben. T'es où là? T'es dans le village, toi? Je sais même pas là où je suis. Y'a mes throttles, c'est toujours à 74. Oulalalalala. C'est toujours à 74. Ah, il est au fond là-bas. Alimo, toi, t'as eu un hard landing. Ah, mais pas Alimo. Roland a eu un hard landing. Non, moi, j'ai eu 216 quand j'ai atterri. 139. Ouais, en tout cas. Non, après, j'ai atterri. Moi, j'ai 139. Chapeau à vous, là. Moi, j'ai eu 200. Pinot, combien? Hard landing, j'ai mis ça dans embarquement. Ouais, chapeau à vous. Ok, donc je vous passe la CDB. Mais on peut pas bouger les throttles avec la souris là. Oh, je suis pas sûr. Hein. Si, tu peux. C'est bon. Que j'ai disable mon auto. Ouais, je suis toujours à 74 N1, je sais pas. C'est un bug peut-être. C'est bizarre. Ali, après le cas, le gars est parti. Ali, tu as les tournevis et autres? Là, il faut même prendre le marteau, hein, ça va plus. Oh, ok. Mon frère, tu vas aller au fleuve hein, si tu continues comme ça. Attends, mais il faut enlever le flight director avant de contrôler le. Non, pas besoin d'enlever le flight director. Mais c'est ça qui m'a permis de réduire les gaz là. Hein. Ah bon? Ouais, c'est bizarre. J'étais à 74 depuis que j'ai atterri. J'ai essayé de réduire sans partir. Oh, il y a quelqu'un qui atterrit. J'ai eu 216. Il y a quelqu'un qui atterrit. Tu as évacué? Hein? Il y a quelqu'un qui atterrit. Non, moi je suis à 20. Il y a Lamine qui atterrit. Ah, ok. C'est Lamine, ouais, c'est Lamine. Non, pour moi. C'est juvénile. Je sais même pas où est l'aéroport. Jusqu'à Baba. Mais mon ami. Non, j'ai fini. Viens, fais demi-tour. Viens, fais demi-tour. Je pense que je suis à 20 nautiques de l'aéroport. Hein. 20 nautiques? Oui, je vois plus ça même. Ouais, tu n'as qu'à démarrer un nouveau vol. Oui. Ok, on va où maintenant? On va à DF quelque chose pour Ouagadougou. Mm-hmm. DFFD.
DFFD, oui. Ouais. Ok, vous utilisez quel ramp actuellement? Moi, je suis à 7. Vous êtes en train de programmer? Ok, je vais à 9. Il n'y a personne là-bas. Ok. Ok. Moi, je suis à 8. Ouais, viens à 9, tu seras plus loin. 9, ok. Bon, je pense que je vais prendre la Airbus. Ok, attendez, une seconde. Je pense que je vais prendre le Tolis. Le Tolis. Ok? Sous les couleurs. Le Tolis. Bon, une seconde. Je prends le Tolis là. Air Côte d'Ivoire peut-être? Ou Air Sénégal? Si tu as Air Burkina, c'est pas mal. Non, j'ai pas Air Burkina. C'est soit Air Côte d'Ivoire ou Air Sénégal. Air Sénégal n'a pas de 737. Non, Tolis. Tolis. Oh, ok. 319. C'est pas un. Air Côte d'Ivoire. Comme ça, vous pouvez voir sur Vatsim. N'est-ce pas? Bon, les gars, on décolle de quelle piste, s'il vous plaît? Ali, tu es où? Oui, je suis là. Je maintiens ma position. Tu maintiens? Je maintiens ma position. Nous sommes bon, à des. Moi, je maintiens. Moi aussi, je maintiens ma position. Je maintiens, je vais aller promener le chien et après, je reviens. D'accord. Ok. Ça marche, mon frère, il n'y a pas de problème. Décollage, quelle piste, les gars? Bon, j'ai pas encore planifié. Ok, qu'est-ce qui se passe avec le stream planifié. Là? Ok, je suis connecté maintenant. Ok. Oh, quoi ça? Oh, je vois des hélicoptères. Le plan de vol, c'est un truc hyper simple. C'est Bengal, Bulsa, et puis voilà. C'est Bengal, Bulsa, en fonction de là, on vérifie les vents et puis... Oh. Mais moi, c'est des hélicoptères, je vois. Hein. Yeah. Où ça, mon ami? Oui, ben, écoute... Attends, je dois installer le truc là. Moi, ils me mettent départ piste 27L. Est-ce que vous confirmez? Non, la 27R n'est pas ouverte. Ah. L. Non, 27L ou R. Si c'est L, c'est bon. Ouais, L c'est bon. Lima. 27L, c'est 27 bon. Lima. Two, yeah. 7 Lima. 27 Lima, c'est bon. Je confirme 27 Lima, oui. D'accord. 27 Lima, c'est bon. Rival, la 04. Et on prend par Banga et Bulsa. Ok. Roger. Ok, ça, c'est pas bon. Il faut que je déconne. Faut que tu décolles ou déconnectes? Déconnecte, que je vois des hélicos là. Ah bon? Tous vos appareils, oui. Il y a 4 hélicos à ma droite. Ça. Écoute, les hélicos à ta droite, c'est normal. Mais toi, tu viens. Non, les hélicos à ta droite, c'est normal. C'est la base militaire. Donc, non, coup, ça c'est il vous. Il faut aller à gauche. Non, c'est vous. Nous, on est à ta gauche. En fonction de ta position. Moi, je te vois. Maintenant, nous, on est devant toi. Tu as compris. Allez, tu vois, allez, tu moi, je vois ta... Nous, on est devant toi. Allez, moi, je vois ta Mercedes que tu as garé à l'aéroport, là. Ta Mercedes que tu as garé au parking, là. Non, voilà, je te la donne. Tu vas aller faire un petit tour. Quelqu'un vient d'atterrir ou bien? Ouais, il y avait Lamine qui venait d'atterrir. Ah. Lui aussi, c'est un hélico. Mais qu'est-ce que c'est? C'est un hélico, tu vas dans ça. Ouais, ouais. Tu as un problème. Oh. Je sais pas comment je vais faire ça. Sinon, nous, on voit tout, on voit que des appareils. Moi, je te vois, tu es en train de. Oh. Tu es maintenant sur le parking. Non, j'étais. Oui, j'étais sur non. Non, okay. Ça, c'est pas moi. Hein. C'est pas toi. C'est l'autre là, Juvenile. Ah, c'est quoi le PNH 1011 toujours. 1011, oui. Papa, toi. Ouais, Mousbi, on a choisi Air Côte d'Ivoire. Voilà. Air Côte d'Ivoire.
Vous avez installé où vos CSL packages? Pour moi, c'est sur plugins, Xquackbox Resources CSL. Et c'est l'autre là, Bluebell ou bien? Ouais, c'est Bluebell, toujours, oui. J'ai dit. Voilà. Donc, je vais m'activer à programmer un nouveau plan de vol. Donc, départ 27 left. Ok. Donnez-moi une seconde pour programmer. Oh. T2, ok. Je vois le problème. Départ à quelle heure, les gars? Dès qu'on finit, hein. Ok, aussi tout court. Départ, si tu veux. Si tu, tu finis, tu envoies le départ. Départ 19h10, il est 18h. C'est tout juste un vol de... Ok, Air Côte d'Ivoire, c'est quoi? C'est HC c'est ou c'est un vol de 40-45 minutes. Hein. L'ICAO de Air Côte d'Ivoire, attends. C'est VRE, non, c'est pas. Ah oui, parce que c'est Ivory Coast. VRE, ouais, c'est Air Côte d'Ivoire, VRE. Ouais, le prochain vol, c'est le code AC de l'aéroport, c'est quoi? D-F-D. J'entends pas. Delta Foxtrot Foxtrot Delta. D-R-R-N-D F-F-D. D-F-F-D. Ouais. Ok, merci. Je te l'envoie. Voilà, donc nouveau vol. Et je vais essayer encore. Oh, c'est un petit vol, ça. C'est petit ouais, vol. C'est un petit vol. Ouais, c'est un vol de 40-45 minutes. 1h05. Là, maintenant, on a un 1041 pour l'altitude de Walga. Par contre, c'est quoi l'altitude de vous? Moi, ça m'a marqué 402. 24 000, c'est bon? Ouais, 24 000, c'est bon. 24 000, c'est bon. Ah oui, c'est bon, 24 000. On n'est pas contrôlé, il n'y a rien. Les gars, le stream est OK parce que je vois que des fois, ça... Non, c'est nickel, t'inquiète pas, moi je suis ça. C'est nickel. OK. Bouncing Gamer, oh Bouncing Gamer, the stream is over for the first leg, going for the second leg. 40 minutes flight. Voilà, donc vous dites la 27 gauche, n'est-ce pas? La Banga une W pour oui. Une arrivée à Bulls une Papa. Et nous allons prendre la piste 4. Qu'est-ce que vous allez prendre, vous, comme arrivée? Attends, je te... La piste 4. Oh, avec toi, je sais que c'est visuel. Oh. Ok, maintenant, je vous vois. D'accord. Eh ouais. Maintenant, très je bien. Te vois aussi. Là, c'est bon. Tu as arrangé le truc. Ouais, j'ai vu le truc. C'était... Il y avait deux dossiers, quoi. Arrivée piste 4, Libra, je confirme. Arrivée piste 4.
Mais attends, je devais être éthiopien là. Attends, je... Je reviens, les gars. Ok. Ok. Dites-moi si vous voyez éthiopien maintenant. Éthiopien. Okay. Non, jusqu'à présent, American Airlines. Qu'est-ce que tu as mis pour éthiopien? Qu'est-ce que tu as mis comme ton code VATSIM? ET. Non, non, non. Sur VATSIM, il faut toujours se connecter avec les trois lettres. Tu dois mettre ETH. Oh. Les codes de lettres, c'est tout juste pour l'affichage dans l'aéroport. Oh, c'est différent. Ok. Ouais, c'est différent. Donc, si je mets ETH. ETH pour éthiopienne. Ok, j'essaie de me connecter encore. Toujours problème. Ah bon? Et aussi sur VATSIM, tu dois changer ça sur deux places, hein? Tu dois faire quand tu es sur connecté, exploit box. Attends une seconde. Tu dois changer sur call sign et puis pour airline, tu dois changer sur ETH là-bas aussi et ça doit te dire éthiopien. Tu as vu ça? Je vois no airline et en dessous de no airline, je peux rentrer. Tu peux entrer ETH. Quand tu fais pas ça, au fait, c'est ce qui est important. Ok, je vois. Ouais, et ça va te donner ta livery. Ok, maintenant, on va voir. Ça doit être bon, non? Oh, je suis en cabine, là. Oh, j'ai besoin de télécharger les vues, là, de ex-caméra. Oh, moi, je me suis déconnecté. Je me suis déconnecté parce que je suis en train de renvoyer mon plan de vol. Je vois Kenya Airways à côté de moi là. Voilà. Les gars peuvent te dire rapidement là, tu es quoi? Ils n'ont pas de train d'atterrissage là. Ils n'ont pas de train d'atterrissage? C'est à cause. C'est pour ça que j'utilise Swift Client. Quoi? Ethiopian, c'est bon. Ah, c'est bon, ok. S'ils n'ont pas de train d'atterrissage, c'est parce que tu as. Par exemple, il y a deux choses en même temps qui contrôlent le VATSIM. Ouais, deux choses. Soit tu as. Est-ce que tu as. Comment ça s'appelle le truc là? Fly Live? Quelque chose comme ça? Fly Live? Non. Bon, je pense. Live Traffic. Que, live Traffic. Oui, j'ai ça. Ouais. C'est à cause de ça? Ouais. Tu peux pas avoir deux choses. Attends, je vais enlever ça rapidement. Normalement, je pense. Okay. Tu peux essayer de déconnecter. Enlever ça de avec déconnecter. Et donc, tu vas redémarrer ton SIM, donc, si tu fais ça. Ouais. Ok. Ok, moi, je pense que je me suis connecté. Je vais me connecter. À 319, je suis VRE. Hein? Et t'es sûr que Côte d'Ivoire c'est VRE? Air Côte d'Ivoire? Ouais. Il m'avait dit VRE. Cherche. Quelle l'adresse Air Côte d'Ivoire? Sur Wikipédia, c'est VRE. Le code ICAO. T'as mis dans pain? Ok. Pourquoi ça prend pas sur VATSIM? Ça me donne un autre airline. Donc, vous n'allez pas pouvoir me voir. Ça me dit Volari ou quelque chose comme ça, là. Malheureusement. Heureusement, les gars, je suis à quelque chose. Bapino, tu as dit on doit décoller à quelle heure? C'est quoi l'heure de départ? 19h20.
19h20. Ben c'est moi je veux aller attendre au seuil depuis ça là. Bon, bref, je suis parce que vous m'avez même pas donné le temps d'aller faire un coucou à ma famille, mais là je suis c'est quoi cette affaire? C'est pas sérieux, les gars. D'accord, d'accord. Ok, ok, les gars. Donc maintenant, ça c'est une Airbus. Donc moi je peux être prêt dans moins de 10 minutes. Hein. Sauf les IRS. Oh, oh oui, avec les. Avec il faudrait Airbus, pas que je sois le dernier encore. Hein. Avec une Airbus, c'est magnifique. Donc. On met les batteries. Voilà, batteries allumées. Groupe électrogène allumé. Pompe à kérosène. Voilà, on va aligner les IRS. On allume les radios. Enregistreur de vol. On connaît au sol. Voilà. Et hein? Voilà, nos écrans sont en train d'être initialisés automatiquement. Mais là je veux pas rater la capture de camp pour l'atterrissage. Je mets pause et puis je fais ça direct. D'accord. Ok, nous sommes à Niamey. DRRN. Et nous allons où ça? DFFD. Port de Dugu. Ok. Et je suis VRE402. Coup d'index. Moi j'ai 06 coup d'index. 6. 06. Prendre le même coup d'index que toi. Au niveau de moi vol, j'ai 50. 240. Toi tu vas dépasser. Je viens de commencer là. Bravo. Il y a quelqu'un qui a Air Côte d'Ivoire. Je vois Air Côte d'Ivoire là. Tu vois Air Côte d'Ivoire? Ouais, je t'envoie la photo. Sur ton simulateur ou bien où ça? Oui, sur mon simulateur, je le vois, il est à côté de moi. C'est magnifique, toi. Mais moi je te vois pas. Ah, j'étais au mauvais endroit. Ben, je suis en train de repousser. Ah, ok. T'es où là? Je te vois pas. Ok, derrière moi. Ok, je te vois, je te vois. Ok, donc vers eux c'est venu. Ok, magnifique, magnifique. Voilà. Air Côte d'Ivoire, magnifique. Voilà, nous avons un problème de barreaux là qui ne sont pas synchronisés. Voilà. Ok, donc programmation de notre de plan de vol, c'était chic, hein? C'était magnifique, c'était. Ouais, c'est facile, hein. Nous allons DRNN départ 27 gauche. Nous allons prendre la Benga une whisky. Pas de transition. On insère. Et ensuite, nous allons prendre la voie aérienne G854. Nous allons sur Airways. G854. Et nous allons. Elle va se terminer à Bursa. Oh là, c'est on monte, on descend. C'est... Ouais. Et. Tourne. Oui, c'est hyper sympa. FFD. Arrivé pour la piste 4. Vous allez prendre l'ILS, Ernav ou quoi? 04, je pense que c'est l'ILS. Mais tu prends l'ILS après si tu veux, parce que l'enfusée est là. Où ça, une paix?
Ouais, je sens un peu. Tu sais, moi d'habitude, c'est en vol, c'est en phase d'approche que j'aimais là. Ouais, toi t'es, toi t'es un vrai pilote. Non, je suis un apprenti, vrai apprenti. Vrai apprenti pilote là. Ok, qu'est-ce que j'ai comme. Bon, disons, nous allons prendre 117 passagers. Et. Bon, 139 d'après notre temps de vol. Et 139 avec 5,9 tonnes de kérosène. Donc 6 tonnes de kérosène. Et notre poids 56,8. Ok, on décolle avec quelle piste là même? 27 left. 27 gauche. 27 Lima. 27 left. Voilà, je vais prendre volet 2 pour le décollage. 150, 151. Banga, one whiskey. Ah, aujourd'hui, on a un seed là. 50, 51. Oups. Oh, je vois la Ethiopian là. Yep, c'est moi maintenant. Je pense à travers la porte, à travers la porte d'embarquement. Il faut que je te montre ça, c'est trop nice. Je vous vois tous maintenant. Wow. Il n'y a pas de scène pour des FFP. Si, si. Puis, il fallait installer que. Rappelle-toi, je pense que j'avais. Fallait installer oui, j'avais un. Si, il y a une scène qu'il faut installer dans Gateway. Dans c'est une bonne scène aussi. Gateway. Quelqu'un en train de taxier là. C'est pas mal. Aidez-moi. Aidez-moi. Wow. 9,6 et 56,8. Nous avions 9 tonnes de. Oups, pas 9 tonnes, 6 tonnes de kérosène. Pardon. Voilà. Nos paramètres de performance. Nous avions 150. 151 154 et nous avions volet 2 direction A 1. Nous avons une température flex de 60 degrés. C'est quelle ALS vous allez prendre? Moi j'ai pris la Yankee. 04. Yankee. Ah Yankee. Mm-hmm. Si y a Zulu, tu prends Zulu parce que ben, si y a Yankee, tu prends Yankee. Mais sinon d'habitude tu prends le plus bas. C'est quoi la différence même? Je sais même pas. Ben c'est par rapport au poids de l'avion. De l'avion. Dans la catégorie. Catégorie. De l'avion, je pense. On est catégorie. Je pense pas. Ouais. Donc je pense que je. Voilà. Donc qu'est-ce que de... je disais? Vas-y. Changer de la scène, mais je vais devoir y aller. Ouais, il faut, sinon tu vas devoir remettre ton voilà. Truc là. Ouais. Allez, bonne nuit à vous. Allez, merci beaucoup, mon cher. À plus. Voilà. On espère te revoir prochainement aussi. Après. On va te faire faire le tour de l'Afrique, n'est-ce pas? Ah ouais. Bah, oui. On va te merci. Faire faire découvrir une autre réalité. Ouais. Mais je connais un petit peu, je viens un petit peu de là-bas, mais beaucoup plus au sud. Ah, d'accord. Okay. À gauche. À droite de l'Afrique. D'accord. Droite de l'Afrique. À l'est. Plein est. Oh. À l'est, ok. La Réunion. Oh. Ah, la Réunion, ben la Réunion, c'est ben, on peut dire que ça n'a rien à voir parce qu'il n'y a pas de. C'est pas le Sahel, c'est pas le Touba, un peu la c'est humide, mais voilà. il faut aller vers le Niger, vers le Mali, vers le Sénégal, là tu verras les vraies réalités. Ouais, j'imagine. Allez, bonne nuit les gars. Allez, bonne nuit mon cher. Voilà, nous avons démarré notre APU. À présent, on attend que la porte d'accès. Bonjour, Sidi Bouya, mon cher, tu voles? Ok, flap open. Voilà, on démarre notre APU.
Il fallait d'abord tester. Vous avez quel niveau? Moi j'ai 350. 350 pour quoi? Pour le niveau de vol, la croisière. Oh non, 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 non. 350 c'est trop. Non, c'est trop, c'est trop. Moi j'ai 24 000. Tu prends 24, 0. 24. Ouais, moi j'ai 24 000. 40. Tu prends 240, 24 000. 240, ok. Voilà, 24 000. Voilà mon cher, mon APU est disponible presque. Voilà. APU disponible. APU bleed. Et je suis prêt pour le pushback. Route a cockpit, please show me where you want to go. Tu as repoussé vers la gauche, n'est-ce pas, Ali? Il faut aller, non, on est là. J'ai repoussé le nez vers la gauche. Nez vers la gauche, moi aussi. Ben, c'est bon. Donc tu continues, il y a un taxi, si tu veux, tu prends le prochain à gauche, ensuite ouais. Le prochain à droite, tu loges le taxiway jusqu'au seuil de... Jusqu'à la fin du taxiway, tu dis à gauche pour prendre la Mercedes. Ok. Donc, nous allons tout retirer. Nous allons fermer nos portes. Voilà. Ok, merci, je commence mon pushback. Commence mon pushback. Ok, all doors and hatches are closed. Une minute. Ready to connect. Bon, tu es à ma droite, donc... Ouais, moi je suis à ta droite. Je dirais que El Bapino a perdu sa connexion web. Oh, il n'est plus là. Ouais, je vois pas El Bapino. Ube n'a pas payé son abonnement. So connected and bypass pin inserted. Release parking brake. Mais faut pas lui dire que c'est moi qui ai dit. Parking brake is released. Ok, on engage la minuterie. C'est parti, moi pour mon repoussage. Hein. Ok. Oh, ou bien il se connecte parce qu'il ne pousse pas là. Ok. Et mon code transpondeur. Voilà. Starting pushback, and you may start engines. Voilà. Démarrage d'un Airbus, pardon. C'est très facile. Démarreur sur automatique et on engage immédiatement le kérosène. Et l'ordinateur de bord va s'occuper de tout. Voilà, on a la rotation N2. Pas plus facile que ça avec un Airbus. Tu pousses sous le bouton et puis ça démarre trop. Ouais. Voilà. C'est qui l'autre RAM là? C'est la mine. Ah ok. Bonsoir Sidi Bouya. Bonsoir sur le chat. Tu peux nous rejoindre sur le Jollof Lounge.